Alors, bébé. Ouais. Tu seras de retour pour le déjeuner? Bien sûr que je serai de retour pour le déjeuner. Tu es sûr? Je te promets, je vais tu pas partir. Tu dis toujours ça. Chérie, je vais pas laisser ma femme et mon enfant qui va naître tout seul. Je te promets, je serai de retour pour le déjeuner. Ok? T'en es sûr? Je suis sûr. D'accord. Mais si tu es occupé, je comprendrai. Tu sais que je suis une épouse compréhensive. Chérie, je suis le PDG de cette entreprise. D'accord? D'accord. Si je dis que je serai de retour, je serai de retour. Ok? T'inquiète. D'accord. Cornelius. PDG. C'est moi, bébé. Cornelius. Cornelius. Tu vois ton frère? Tu le vois en train de dormir, Cornelius. Là? Cornelius. Donne-le-moi. Cornelius. Ouvre le portail, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te demande pas de venir, mais d'ouvrir ce foutu portail! Dépêche-toi! Le diable était présent, y compris moi et le... Oh, s'il te plaît, la ferme. Trouve un balai et nettoie-moi cette cour. Ok. Allô Ben, t'es où? Oh, t'es dans mon bureau. Non, je viens tout juste de quitter l'aéroport. Ouais, je reviens tout de suite. S'il te plaît, attends-moi. Attends-moi, j'arrive. Salut, Sorette. Cornelius. Oui, Sorette. Tu es reparti dormir? Oui, mais pas intentionnellement. Sorette, sers-moi de la viande et dans ce réfrigérateur, peut-il avoir du jus de coca au Fanta pour que la nourriture puisse bien descendre? Cornelius. Sorette. Je pense t'avoir demandé de nettoyer la cour. L'as-tu fait? Ok. Oui, tu l'as fait. Oh, tu ne l'as pas fait. Sorette, écoute, quand tu l'as dit, j'étais sur le point de le faire et lorsque j'ai touché le banc, il m'a retenu comme un aimant et j'ai recommencé à dormir. J'ai juste besoin de nourriture pour éliminer le stress. Allez, disparais de ma vue! Sorette, j'ai besoin de cette nourriture pour avoir plus de force pour mon travail. D'accord, le banc t'a attiré comme un aimant. Le banc devrait également attirer le coca et le Fanta jusqu'à toi, dehors. Si bon, oublie la nourriture, donne-moi la viande qui se trouve au-dessus. Cornelius! Ne fais pas que je te retrouve là-bas. Oh. Gracie, viens. Mama. J'ai seulement failli oublier. S'il te plaît, ma fille, prends ces arachides, hein? Ok. Et apporte-les chez Mama Joy pour moi. D'accord. Elle les a déjà payées. Ok. Salut-là, très bien pour moi. Dépêche-toi et reviens à la maison à l'heure. Ok. Je t'attends. Sois rapide. D'accord, ma. Ne mets pas long. Compris.
Quel est ce cri? Tu es censé jouer de la musique et non crier. Il ne crie même pas. Je croyais que tu criais. Docteur, docteur, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle ira bien. Bien sûr qu'elle ira bien. Vous l'avez amenée à temps. Et la transfusion sanguine était un succès. Ok. Elle a juste besoin de se reposer. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Elle ira bien. Ok, merci infiniment, docteur. Merci. Elle aura juste besoin de certains médicaments à son réveil.
Ok, ok. Docteur, peu importe. Combien ça va coûter ces frais médicaux, je vais m'en charger. S'il vous plaît, prenez juste soin d'elle pour moi. C'est d'accord. Merci, docteur. Mais vous allez devoir informer ses parents pour leur faire savoir qu'elle va bien. Oh, docteur, faites aussi ça pour moi, s'il vous plaît. Écoutez, docteur, je dois me dépêcher, je suis très pressé. Ma femme a eu un petit accident à la maison, je dois y aller pour être auprès d'elle, s'il vous plaît. Oh, désolé voilà. Pour ça. Je vais déposer de l'argent chez votre comptable, peu importe ce que ça va coûter, prenez juste soin d'elle. Je serai de retour, d'accord? Ok. Arrête. Arrête de pleurer. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'une telle chose m'arrive? Prends-le avec elle. Ressaisis-toi juste. Tu as une raison pour toute chose. Quelle raison Dieu aurait probablement pour m'avoir privé de quelque chose d'aussi cher? J'ai prié et j'ai pleuré pour cette grossesse. Et j'ai rêvé du jour où j'allais tenir mon bébé. Maintenant ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'aurais voulu le savoir. Je ne sais même plus quoi penser. Si seulement je savais, ressaisis-toi, c'est tout. Ah, Seigneur. Ça aurait pu être pire que ça, tu sais. Ça aurait pu être pire. Rends juste gloire à Dieu, parce que je ne sais pas quoi te dire. Hein? Je suis vraiment désolée. Où est Mike? Je sais pas. Mon cousin, le portier, est celui qui m'a conduit ici. Va-t'en! Que veux-tu d'arriver? Ce qui est arrivé, je suis venue louer une chambre pour notre pique-nique. Question stupide, va-t'en! Chérie, écoute. Ne me touche pas! Non, écoute, attends, je ne peux t'expliquer. Je te le jure, j'étais sur le chemin. Ne me touche pas! Mike. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux expliquer? S'il te plaît, parle-lui, parle-lui, bébé. Mike, elle ne veut pas en me toucher. Va-t'en! Faudra repasser après. Écoute, reviens plus tard pour te. Pas maintenant, s'il te plaît. C'est pas juste. Chérie, écoute, s'il te plaît, écoute-moi. Je peux tout expliquer. Ne me touche pas. Mike, s'il te plaît, laisse-la. Comment tu peux me faire une chose? Je peux t'expliquer. Va-t'en, s'il te plaît. Laisse-la. Si seulement tu savais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Oh, Seigneur, aide-moi. S'il te plaît, Mike, Seigneur, elle n'a pas envie de t'écouter et elle est encore sur le chemin. Bébé, je te le jure. Seigneur, c'est pas ma faute. Mike. Arrête. Arrête, tu la verras après, s'il te plaît. Tu la fais encore plus souffrir. Est-ce qu'elle est stable? Je suis mentalement instable. Bébé. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. De quoi exactement? Nous ne pouvons pas continuer ici. Je t'en prie. De quoi exactement es-tu désolé? Est-ce pour avoir lâchement fui tes responsabilités? Ou pour avoir négligé mon appel de détresse? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu peux bien être désolé. Mais pour quelle raison fais-je négliger ton appel? Pourquoi? Ce que j'essaye de t'expliquer depuis un bon moment, c'est que je... Expliquer? Quelle bêtise veux-tu me faire avaler? Bébé... J'espère que tu es heureux. Que j'ai perdu le bébé. C'est bon. Au moins ta famille va me laisser respirer. Parce qu'il est clair que je n'ai aucun problème. Mais bébé, attends. Ne touche pas. Attends. Pourquoi je serais heureux quand on ait perdu le bébé? Pourquoi serais-je heureux? Nous avons prié pendant 3 ans après notre mariage. Et maintenant, Dieu nous a finalement bénis avec cette grossesse. Et tu nous as laissé la perte de cette façon. J'ai pas laissé qu'on le perde. Alors que s'est-il passé? J'ai pris la route. Que s'est-il passé? J'ai pris la route. Le docteur a dit que si tu étais venu à temps, tout se serait bien passé. Je n'aurais pas perdu le bébé. Alors, qu'est-ce que tu me... Mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer. J'ai pris la route aussitôt que tu as appelé. Mais sur le chemin. Sur le chemin, j'ai renversé un piéton. J'ai renversé une petite fille. J'ai renversé une petite fille qui marchait le long de la route. Renversé? Genre, renversé? Attends. Que s'est-il passé? La personne est morte? Non, elle n'est pas morte. Heureusement, le docteur a dit qu'elle réagit au traitement. Docteur, hôpital! J'ai renversé la fille et je ne pouvais pas abandonner la pauvre fille allongée là.
Je l'ai conduit à l'hôpital et j'ai dit au docteur de prendre soin d'elle. Je savais pas que j'étais en train de sacrifier la vie de notre bébé pour la sauver. Non. Je savais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit pendant tout ce temps? C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. Je suis tellement désolée. Je te pardonne, bébé. Je suis désolée d'avoir été excessive. Je suis désolée. Dieu nous a donné celui-ci. Et il nous donnera encore un autre, ok? Ok. D'accord? Amen. Je suis désolée. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Le docteur qui a traité ma fille a dit que le monsieur qui l'a renversé a payé tous les frais et a promis de revenir. Je suis content que vous ayez tenu votre promesse. Ma, c'est le mieux que je puisse faire. Je veux dire, le fait d'avoir mis votre fille dans cette situation, je suis vraiment désolé pour ça. C'était très imprudent de ma part. Voici mon épouse, Lovett. Ma fille, comment vas-tu? Je vais bien. Nous remercions Dieu pour sa vie sauve. J'ai cru qu'elle était morte quand le docteur m'a appelée. Grace est mon unique enfant. Et elle sillonne les rues. Depuis que son père nous a quittés. Maman, c'est bon. Je suis sincèrement désolée, maman. Je suis sincèrement désolée pour tout ce qui est arrivé. Merci infiniment, ma fille. En fait, je suis très heureuse que le docteur ait dit qu'elle pourra remarcher. Oh, maman, c'était un grand miracle. Et nous remercions Dieu pour cela. Ma chère, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. D'accord. Je promets de prendre soin de toi de toutes les manières possibles. Vous avez déjà assez fait. C'est parce que vous êtes une bonne personne. Vous auriez pu l'abandonner après l'accident. Dieu merci que vous ayez une conscience. Il n'aurait pas fait cela. En fait, il était en route pour l'hôpital pour sauver ma vie et celle de mon bébé, mais le pire est arrivé, mais tout va bien. Oh mon Dieu, j'espère que tout va bien. Oui, je vais bien. Le bébé n'a pas survécu, mais Dieu est miséricorde. Tout va bien, maman. Je suis désolée, ma fille. Je suis vraiment, vraiment désolée. Dieu vous donnera certainement à vous et à votre époux un autre enfant. Amen. Ma chère, tu iras bien, ok? S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, s'il vous plaît, maman, je t'en prie, n'hésite surtout pas de me le faire savoir. N'hésitez pas. Non, vous avez déjà assez fait. Merci vraiment pour tout. T'en élus, tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Oui? Maintenant, Cornelius, réponds à cette simple question. Pour combien de temps vas-tu continuer de vivre ainsi, Cornelius? Pour combien de temps continueras-tu de vivre ainsi? Ici, c'est la maison de ta sœur, ta propre sœur, de sang et non d'ailleurs. Pourtant, tu es toujours traité comme un simple esclave. Laisse-moi te demander, es-tu certain que ta sœur ne va pas rejoindre son mari pour te taper, Cornelius, dans cette maison? Imagine, regarde cet homme. Regarde cet homme à qui j'ai fait une faveur. Je lui ai fait une faveur en lui donnant mon unique sœur que j'aime pour qu'il épouse. Regarde comment il me remercie. En faisant de moi, Cornelius, un moins que rien. Se foutant de ma personne. Cornelius, laisse que cela continue de t'arriver. Hein? Imagine le genre de course que j'ai fait pour eux ce matin. Par contre, s'il t'avait donné l'opportunité d'utiliser n'importe quelle voiture, ça aurait été plus facile pour toi. Mba! Comment ma soeur réagit? Hein? Peut-être que ma soeur pense que comme elle ne m'a jamais vu conduire une voiture, c'est pour cela qu'elle ne veut pas me donner une opportunité. Mais à compter d'aujourd'hui, je vais commencer à la surprendre. Et surprendre aussi mon beau-frère. Je vais la surprendre que moi, Cornelius, je vaux mieux plus que ce qu'elle pense que moi je suis. Je vais par là.
pensais que la vache faisait marche arrière. Pourtant, elle ne faisait que bénigne de l'avant. Que vais-je devenir? À qui vais-je me tourner? À qui vais-je aller? Mes rires se sont transformés en pleurs. Que vais-je bien pouvoir dire? Hey, moi! Hey! Qui va entendre mes pleurs? À qui vais-je dire mes douleurs? Cornelius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Cornelius, laisse-moi te dire toute la vérité. À quoi est-ce que tu pensais? On a pris la voiture que mon mari vient de m'acheter. Hein? Je suis vraiment désolée. Tu es vraiment désolée. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir cette voiture et tu vas la réparer. Et tu vas réparer toutes celles qui sont en panne. Parce que présentement, tout ce que je vois, c'est quelqu'un de stupide devant moi. Hey, serait-ce moi? Ah oui, toi. Tu veux que je répare la voiture? Oh non, serait-ce, rappelle-toi que je suis ton cousin. Qui est mon cousin? Comment tu parles à ton cousin? Et rappelle-toi que je suis plus vieux que toi. Hey. Ok. Est-ce que tu sais que la seule raison pour laquelle j'ai cette conversation avec toi, c'est parce que je suis de mon sang? Sinon, tu seras en train de moisir en prison. Merci. Oui. Merci, Serette, s'il te plaît. Si tu hurles comme ça, qu'est-ce que ton mari va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? A-t-il fait quelque chose de mal en te laissant vivre chez lui? Mba. C'est le cas? Mba. Alors, pourquoi le traites-tu ainsi? Je suis sûr que ce sont mes ennemis qui sont derrière ça. Tes ennemis vont te tuer. Parce que tu vas dormir dehors. Moi? Tu m'as saisi? Hey, s'il te plaît, s'il te plaît. Si je ne répare pas cette voiture, je vais te faire arrêter. Hey! Waouh, doux, Jésus! S'il te plaît, oh! S'il te plaît, où vais-je? Où est-ce que tu es en train de m'envoyer? Je ne connais personne dans cette ville. Où vais-je aller? Vers qui vais-je me retourner, Sorette? Sorette, s'il te plaît. C'est plus de ma part, ça ne va plus. Si ça arrive encore, tu te rappelles quand nous étions enfants? Je te donnais souvent la tête, les pâtes du poulet, les biscuits. Et même les bonbons seraient. Fais ça pour moi, supplie-le. Supplier qui? Ton mari. Si je le supplie, qui va me supplier? Moi, je vais te supplier. Dans ce cas, je ne dois supplier. Je le fais, je te supplie. Ah, je ne dois supplier. Je te supplie. Même si tu suppliais, je suis en bonne décision, je ne t'écouterai pas. S'il te plaît. Tu m'as entendu? Okay. Laisse-moi me coucher. Si tu veux, laisse-moi me coucher. Si tu veux, s'il te plaît, s'il te plaît. Hey. Oh mon Dieu, qui m'a dit d'entrer dans cette voiture? Qui m'a dit d'entrer dans cette voiture? Cornelius, Cornelius, tu es un homme stupide. Cornelius, tu es un vrai fou! Hey! Hey! Que pensais-tu qui t'a fait entrer dans cette voiture? Es-tu un fou? Si je te traite de fou, que vas-tu dire? Cornelius, tu es vraiment stupide! Si tu perds cette opportunité, où vas-tu trouver un autre travail maintenant, hein? Hey! Jésus, oh! Allez, roule! Allez, Cornelius, roule, roule! Couche-toi et commence à rouler! Roule, roule! Hey! Commence à rouler! Maman, bienvenue. Merci, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, j'ai rapporté du pain pour toi. Maman, merci, mais je n'en veux pas. Mais je l'ai acheté à la boulangerie, là où tu insistes souvent qu'ils font les meilleurs pains. Merci, mais je n'en veux pas. Grâce. Je ne te comprends plus vraiment. Depuis que tu es revenue de l'hôpital, tu as l'air si triste. Hein? Pourquoi? Maman, je ne suis pas d'accord avec ta décision. J'ai refusé quand il m'a dit qu'il a perdu son enfant. Il aurait sauvé la vie de son bébé s'il t'avait laissé allongé là. Il ne l'a pas fait. Maman, c'est sa responsabilité de prendre soin de moi. Il l'a proposé d'aider. Tu as accepté, la minute d'après, tu as refusé. Grace, j'ai dû refuser parce que sa femme m'a dit qu'elle a perdu le bébé. Oh, ça n'aurait pas été honnête. Et ça aurait été très égoïste. De notre part, d'accepter une aide venant d'eux après ce qu'ils ont vécu, hein? Maman, n'avons-nous pas assez souffert? Nous n'avons fait que nous battre depuis que papa nous a quittés. Un Messie vient pour nous aider, toi je refuse. Ici? Mais qui est le Messie? Qui est donc le Messie? Je redemande encore, qui est le Messie? Écoute-moi très bien. Dieu trouvera un moyen pour ses enfants. Tu pourrais mourir, mais tu
Oh, Lovette, tu n'aurais pas dû. Je t'ai dit qu'il mangeait avant. Ce n'est pas de la nourriture. Merci. Tu es très jolie. Merci. Mm-hmm. Je fais de mon mieux. Tu es rayonnante. Je suis très flattée. Tu n'es pas mal non plus. Quoi de neuf? Comment tu vas? Ma chère, bien. Nous remercions le ciel. Dieu est miséricorde. Bien sûr qu'il est. Je peux l'affirmer. Par contre, tu as pris quelques kilos. Vraiment? Bien sûr que oui. Ma chère, qu'est-ce que tu espérais? Je ne fais rien. Je suis dans cette maison. Je ne vais nulle part. C'est très fatigant. Je dois l'avouer. Honnêtement, Lovette, je ne comprends toujours pas comment une titulaire d'un diplôme haut gradé en banque et finance passe toutes ses journées assises à la maison en ne faisant absolument rien. Pourquoi tu t'es dérangée à suivre ce cours? Tu aurais pu tout simplement apprendre l'art d'être une femme au foyer au lieu d'avoir fourni tous ses efforts pour venir rester à la maison. Ça n'a pas de sens. Juste au nom du mariage, ça me brise le cœur. Ne dis pas ça. Mon mari pense que je devrais d'abord faire des enfants, du genre finir d'accoucher, ensuite je pourrais travailler. Encore de nos jours? Ça, c'est une vieille mentalité. Tu dois te réveiller, ma chérie. Nous sommes au 21e siècle. Tu es futée, tu es jeune et tu es intelligente. Le monde a besoin de toi. Tu ne peux pas rester là à gaspiller ça juste. Je ne sais pas. C'est triste. Tu dois sortir et faire quelque chose. Je le ferai. Quand le feras-tu? Quand exactement? Jusqu'à ce que tu sois vieille et que tes os soient tous fragiles et que ton cerveau ne soit plus en mesure de travailler, en ce moment-là, c'est le moment de réagir, Lovette. Je ne comprends pas, nous sommes au 21e siècle. Tu dois te ressaisir et aller dehors. Tu es futée, intelligente, jeune. Je crois que c'est le bon moment de le faire. Arrête. Juste arrête. Arrête de parler comme si j'étais paresseuse. Tu vas finir par être paresseuse si tu ne fais rien à partir d'aujourd'hui. Où penses-tu que je veux en venir? Mais ressaisis-toi et fais quelque chose. Je le dis parce que tu comptes pour moi. Je t'ai entendu. Merci beaucoup pour tes conseils. Je ne refuse pas que ton mari est riche et qu'il peut tout te donner. Mais tu dois gagner ton propre argent. Rien n'est aussi bien que ça. Tu peux le faire. Trouve-toi ta propre activité. Je t'ai entendu. Ça suffit maintenant. En passant, une amie m'a parler d'un recrutement dans une banque. Je ne connais pas de quelle banque il s'agit, mais je vais me renseigner et je t'informerai. D'accord, je vais en parler à mon mari. Vraiment? Oui. Lovette, vraiment? Quoi? Tu ne parleras pas de ça à ton mari. Je crois que tu devrais d'abord postuler avant de lui dire pour qu'il ne te décourage pas. Ok. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Et si je postule et qu'on me recrute et qu'il dit non? Étape par étape, on verra comment faire à ce niveau. D'accord. Je t'en prie, c'est juste une idée. Juste une proposition. Quelles sont les nouvelles? Que se passe-t-il? Je te retourne la question. Je suis celle qui lui aime. Bébé? Je pensais que tu étais dehors, j'étais en train de te chercher partout. Ouais, mais... tu es ici. Je pensais que tu étais dehors. Ouais, j'y étais, mais il m'a semblé qu'il voulait pleuvoir, alors je suis venue ici. Ok. Cette façon de sourire et tu me masses les pieds. Veux-tu m'annoncer une bonne nouvelle? Oui. Je t'en prie, vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé un travail. Dans une banque. Hein? Oui. Il y a quelques jours, j'ai postulé pour... J'ai juste... déposé mon dossier, ensuite j'ai reçu un email me demandant de me présenter, que j'avais été recrutée. En fait, de me présenter par la voix. Je pensais que nous nous étions mis d'accord. Bébé, je ne peux pas continuer à rester à la maison. Oui, mais nous avons convenu que ce ne sera pas long. Ce n'est pas là le problème. Bébé, je... Regarde-moi, quand nous sommes mariés, je faisais du 38. Maintenant, je fais du 42. Peut-être 40, mais... Bébé, j'en ai marre. Je ne peux plus rester à la maison. C'est tellement ennuyant. C'est tellement... Je perds la tête à mes Chérie, pourquoi veux-tu travailler? C'est pour de l'argent?
Je suis le propriétaire des principales entreprises de fabrication du plastique dans cette ville. Que veux-tu que je ne peux pas te donner? Chérie, ce n'est pas à cause de l'argent. Je suis une diplômée. J'aime être occupée, j'aime travailler. Chérie, je ne vois pas balancer tout cela à la poubelle et ne rien faire et juste être une femme au foyer. Mike, je t'en prie, pense-y. Je ne comprends tout simplement pas. Je comprends pas qui t'a mis ces idées dans la tête. Parce que nous en avions déjà parlé et nous nous étions mis d'accord. Et maintenant, tu veux contredire tout ce que nous avons établi. Pas du tout. Je sais que tu n'aimes pas l'idée que je travaille pour quelqu'un. Bébé, c'est juste une norme. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'asseoir dans un coin et compter l'argent des gens. Tu sais quoi? Ensuite... Je vais. Ça sera tout simplement pas possible. Mike, s'il te plaît. Mike. Où est Grace? Elle est sortie pour son activité de crochet. Ah ah! Activité de crochet. Elle n'a plus besoin de cela. Ma fille, ne dites pas ça. C'est avec ça qu'elle survit. Vu que mon commerce d'arachide ne rapporte pas grand-chose, non seulement pour la nourrir et prendre soin d'elle. Je comprends. Mais comme je l'ai dit, elle n'aura plus besoin de cela. Je suis venue ici pour Grace. Ma fille, nous avons déjà parlé de tout ceci avant. Vous avez perdu votre bébé pendant que votre époux sauvait la vie de ma fille. Ah, maman, ce n'est rien. Vous savez, vous ne nous devez rien du tout. Je sais, mais maman, je vous aime bien. Qu'est-ce que je fais? Maman, je veux aider Grace. S'il vous plaît, permettez-le-moi. C'est d'accord. Qu'est-ce que vous avez donc pour elle? Je veux que... Oh, en parlant du loup. Maman. Oui, mon enfant. Bon après-midi. Bienvenue, ma fille. Comment bien, tu vas? Tantine. Bon après-midi. Ah. On parlait justement de toi et tu es arrivée. Ah. Je vois que tu vas mieux maintenant. Oui, tantine, je vais bien. C'est bien, je suis contente. Remercions le ciel. Eh bien, vous m'avez demandé quels sont mes plans pour elle. Exact. Je veux qu'elle vienne rester avec moi. Hein? Et vivre avec ma famille en tant que ménagère. Mais je promets de prendre soin de son éducation et de tout le reste. Quoi? Grâce? Oui, si elle le veut. Maman, tantine, merci infiniment. Merci beaucoup, j'aimerais vivre avec vous. C'est bon. Maman, eh bien, je veux vraiment... tu sais quoi? Va à la voiture, hein? Ouvre la malle, apporte les choses qui sont à l'intérieur. J'ai apporté certaines choses pour toi, ma fille. D'accord. Après tout ce que tu as pu traverser jusqu'ici, tu te déranges encore pour nous apporter des cadeaux. Tu es ma mère. Dieu te le rendra. Amen. Amen. Ma fille, s'il te plaît, aide-moi à la remercier. Ce n'est pas un problème. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Grâce. Maman. Pensais-tu vraiment tout ce que tu as dit à Madame Lovett quand elle nous a rendu visite? Maman, je ne comprends pas. Veux-tu que je meure de solitude? Comment peux-tu préférer abandonner ta vieille mère pour aller vivre avec elle? Maman, je ne t'abandonne pas. Maman, c'est une opportunité en or pour que je sois enfin diplômée. Ne veux-tu pas que je sois diplômée? Je veux le meilleur pour ma fille. Je veux que tu sois diplômée. Hein? Mais n'oublie pas que depuis que j'ai perdu ton père, tu es devenue ma seule raison de vivre, vraiment. Comment peux-tu m'abandonner aussi celui-ci, ma fille? Maman, pourquoi parles-tu ainsi? Je viendrai te rendre visite de temps à autre. Oh! Ça, c'est une bonne opportunité, oh! Ok, d'accord. Quand est-ce que tu pars? Demain. Ah! Demain! Ne peux-tu pas attendre le week-end? Maman, pourquoi tu fais comme si je partais pour toujours? Hein? Je viendrai te rendre visite. Oh! Maman, arrête de pleurer, non! Grâce, ce n'est pas juste que tu fais. Maman, j'ai faim. Que veux-tu manger?
Bébé, je suis désolée. Bébé, je suis désolée. Tu sais, chérie, on avait trop de travail et je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Il y avait tellement de clients à la banque et plein d'autres choses à faire. En plus de ça, les embouteillages. C'est ta décision, je la respecte, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi tu veux subir tout ce stress. J'en vois pas l'intérêt. Bébé, c'est juste pour un an. As-tu mangé quelque chose? Non, et j'ai faim. Cornelius! Sorette? As-tu mangé quelque chose? Oui, Sorette, oui, je me suis acheté du pain et de l'eau pure. Je m'habitue à la nouvelle condition. Bébé, je vais rapidement te faire quelque chose à manger. Comment tu te sens, maman? Je suis de retour. Ah, tu reviens de chez le médecin Barnabas? Oui. Il m'a donné ses médicaments, de très bons médicaments. Il m'a dit que c'était contre la fièvre et que ça allait vite remonter. Aussi, tu devrais prendre un comprimé le matin et un le soir. Vraiment? Oui. Merci, ma fille. Je t'apporte de l'eau pour que tu les prennes, hein? Non. Attends un instant. Attendre quoi, maman? Oh, attends un peu. Je veux d'abord me reposer. Un instant avant de prendre les médicaments. Maman, hier tu voulais te reposer. Aujourd'hui encore tu veux te reposer. Mais tu t'es déjà assez reposée, non? Grâce. Pourquoi tu me parles ainsi? As-tu oublié que je suis ta mère? Qu'est-ce que c'est, hein? Maman, si c'est ton plan pour que je n'aille pas chez Tantine Lovette demain, ça ne marchera pas. J'irai là-bas demain matin. Ah. Demain matin? Vas-tu laisser ta pauvre mère malade ainsi? Maman. Hein? Ne peux-tu pas attendre que je me rétablisse avant que tu ne partes? Maman, moi je pars d'ici demain. Demain. Ah, demain matin. Oui. Tu peux toujours aller là-bas en soirée. Leur maison n'est pas loin d'ici. Hein? Maman, laisse-moi t'apporter de l'eau. Bien. Tu veux abandonner ta maman toute seule dans cette maison? Ok, tu penses que je peux pas rester seule ici? Hein? Ah, c'est très bien. Laisse-moi seule, dans la maison. Ah, tu penses que je ne peux pas vivre seule? Oh. Maman, tiens. Tiens. Voilà. Ma fille. Maman. Quand tu vas arriver au domicile de ta tante, s'il te plaît, travaille dur et sois obéissante, hein? J'ai vécu avec des gens. Ah, certains d'entre eux sont très difficiles. Surtout ceux que tu ne connais pas. Je t'en prie, sois respectueuse et travaille très dur pour eux. As-tu compris, maman? Oui, maman, j'ai compris. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Qui cherches-tu? Je cherche Tantine Lovette, la propriétaire de la maison. Ah, Lovette, ah, j'ai cru entendre propriétaire de cette maison. Si tu veux savoir à qui appartient cette maison, ou qui en est son propriétaire, dans ce cas, regarde-moi. Est-ce que je ne ressemble pas aux différents propriétaires de cette maison? Non, tu ressembles au gardien. Moi? Pourquoi essaies-tu de m'insulter? Que veux-tu dire? Vu ta façon de parler, on comprend que c'est toi le gardien de cette maison. Ah. N'entrons pas dans ce sujet. Tu as dit que tu cherches ma sœur? Oui. Quel est ton nom? Qui es-tu? Je m'appelle Grace.
Es-tu originaire d'où? D'où est-ce que tu viens? De quel gouvernement local? Je ne sais pas de quel gouvernement local, mais je viens de alors là-bas. Alors, qui est le président de ce gouvernement local? Ou le secrétaire? Ce gouvernement local se trouve dans quel état? Je veux juste savoir, je suis en train de relever tes données maintenant. Ok, tu es catholique ou musulmane? Je suis catholique. Ok, de quel diocèse? Et qui est le pape? Le pape, c'est... Tantine, bon après-midi. Que se passe-t-il ici? Serait-on la bienvenue? Pourquoi la gardes-tu dehors? En fait, elle a dit qu'elle te cherchait. Tu sais, n'importe quelle femme ou n'importe quelle jeune fille peut se réveiller un matin et décider de, tu sais, se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Donc, Lou, tu la vois là, je suis en train de relever ces données, toutes ces données, pour me rassurer que c'est vraiment toi qu'elle cherche. C'est bon. C'est mon invité. Ouvre le portail. Oh, ok, ton invité. Ok, merci beaucoup. Je dois ouvrir le portail pour toi ou pour elle? Merci, tantine. Bébé? Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu prends ton bain aussitôt? J'ai cru que nous étions samedi. Oh, Seigneur, j'ai oublié de t'en parler. Nous avons une RMR aujourd'hui au bureau. C'est quoi ça? Notre rapport mensuel sur le rendement. Mais tu n'es pas censé aller au travail le samedi. C'est juste de l'esclavage. J'espérais passer du bon temps avec toi. Bébé, ce n'est pas du travail. C'est quelque chose pour laquelle tous les employés de la compagnie doivent absolument être présents. Parce que c'est le seul moyen avec lequel ils peuvent savoir si nous nous en sortons ou pas. C'est tout simplement de l'esclavage, ça. Une femme mariée décide d'aller au travail le samedi et ne passe pas du temps avec son mari. Je ne m'en vais pas pour travailler, chérie. Je serai très vite de retour. J'ai déjà préparé ta nourriture. Bébé, je te promets qu'on va sortir après. Mike, je suis désolée. Ouais, tout va bien. Alors, ma puce, dis-moi, comment trouves-tu ton nouveau travail? Ma chère, c'est vraiment stressant. C'est un gros challenge. Exactement ce que je voulais que tu expérimentes. Ouais, le stress te fera donner le meilleur de toi et le challenge sortira le génie en toi. Je sais que tu peux le faire, ma chérie. Émilie, tu es vraiment mon sauveur. Merci. Depuis que j'ai commencé ce travail, il y a cette façon de me sentir. Je me sens revivre. Je sens que je sers à quelque chose. Je me sens énergétique, heureuse. Exactement. Heureuse, c'est le mot, oui. Je te l'avais bien dit, tu vois. Je suis très heureuse pour toi. Alors, comment est-ce que ton mari l'a pris? Ce n'était pas facile. Nous nous sommes querellés, bagarrés et même disputés. Mais à la fin, il a laissé tomber. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi je voulais travailler pour quelqu'un alors qu'il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Je sais, mais il aurait pu monter une affaire pour toi. Eh bien, il l'a proposé. Mais j'ai refusé. Je ne veux pas avoir une affaire. Je veux travailler. Tu sais au moins ce que j'ai appris à l'école. Oui, ça a du sens. Mais il était d'accord avec ça? Eh bien, il a posé une condition. J'ai juste la permission de travailler pour un an. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais rester à la maison ou monter une affaire. Ça dépendra de moi. Une affaire, c'est bien. Du moment où tu le fais après un an, c'est bon. Ok. C'est bien. Je suis très excitée. Ok, ça a un sens. Donc alors, comment tu t'adaptes à ta nouvelle vie? C'est cool. Je rencontre plein de gens. Ma chère, certains clients sont insupportables. Je pensais que mon frère Cornelius était insupportable. Certains clients sont pires. Ils voient des hommes se comporter comme des enfants. Ah! Non, laisse ces histoires de clients. En passant, y a-t-il pas de mécano dans cette banque? Je veux dire, il devrait y avoir de sexy banquiers. Ta sœur veut se mettre en couple. Quoi? Chérie, ta sœur veut être... Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ta bouche. Entrez!
Seigneur. C'est moi. Cornelius, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien du tout. C'est que tu veux? C'est juste que nous devons un peu nous amuser. Écoute, je suis fou amoureux de toi. Tu es amoureux de moi? Exactement. Fais pas en sorte que je te poignarde. Moi? Grâce, ça serait même mieux que je sois écrit dans l'histoire, disant que toi, Grâce, tu m'as tué. Je te dis la vérité. Écoute, tout ce que je veux de toi, c'est juste une minute de... un baiser de ta part. Hein? Tu veux que je t'embrasse? Oui. Cornelius, je ressemble une prostituée pour toi. Si je dois embrasser quelqu'un, c'est quelqu'un comme toi que je vais embrasser. Hein? Quel est le souci avec moi? Parce que tu es un porc. Une vieille racaille. Un porc. Attends un instant. Grâce, juste à cause de ce simple baiser que je te demande, c'est pour cette raison que tu te permets de me donner tout ce charme, non? Oui, tu es un malade de l'Ebola. Tu es un porc. Si, je suis un porc. Mm. Tu es une chouette. Tu es une chouette. Cornelius, hein? Ne fais pas que je t'étrangle. Ne fais pas que je te poignarde. Juste le temps. Hein? Si tu m'étrangles, je vais te têter. Tu vas me têter. Oui. Je vais t'étrangler. Ah. Je vais en finir avec toi, Cornelius. Je vais botter ton derrière. Tu... Hein? Viens, je t'attends. Hein? Hey! Où vas-tu? Attends-moi. Hein? Cornelius! Cornelius, viens ici! Bébé! Cornelius! Mike! Et Lovette, reste en dehors de ça! Reste en dehors de ça! Et toi, viens par ici! Cornelius, j'ai reçu une plainte venant de cette jeune fille et j'ai attendu jusqu'à ce matin. Comment oses-tu? Patron, ce n'est... Ce n'est pas exactement... Tu l'as fermé! Je parle et tu racontes des bêtises! Ferme-la! Lovette, où as-tu trouvé cet animal aussi insensé? Oui, insensé. Parce que jusqu'à présent, j'ai même les maux de tête, monsieur. Très violents maux de tête. Tu as des maux exactement, de tête? Exactement, très violents maux de tête, monsieur. Tu sais quoi? Je suis fatigué de tout ceci. Je suis fatigué de tout ceci. Comment peux-tu agresser sexuellement cette jeune fille? Agresser sexuellement? Patron, ce n'est... Patron, ce n'est vraiment pas ce qui est... Écoutez, patron, ferme-la! J'essaye de m'expliquer. Peux-tu juste me faire t'excuser? Oh, des excuses? Ah, mais il fallait tout simplement le dire, non? Désolé, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Vraiment, désolé, monsieur. D'accord? Tenez le balai, je me couche. Enlève tes sales pattes sur moi. Tu sais quoi? En fait, tu es renvoyé. Sérieusement? Oui. Patron, à cause de cette petite erreur. Patron, trouvez autre chose pour me faire sentir. Au lieu de me renvoyer. Si vous me renvoyez maintenant, où vais-je aller? Quel autre travail pensez-vous que je pourrais trouver? Ai-je l'air de me soucier de savoir où tu iras ou comment tu feras? Hein? Cornelius, ai-je l'air de m'en soucier? Vu que tu n'as pas de respect envers cette fille, tu quittes ma maison. Tu quittes ma maison! Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Hein? Bébé, prends le calmement et donne-lui une seconde chance. Oui! Même ce film! Ah! Si le patron n'a pas encore regardé, fais qu'il le regarde! Ce film a beaucoup de chance, hein! Donnez-moi une seconde chance et je vous promets, ça n'arrivera plus jamais! Je vous assure! Tu l'as fermé? Bébé, tu connais ma famille. Je m'en fiche de ce que ta famille dira! Je m'en fiche de ce qu'ils diront! Écoute-moi très bien! C'est ton dernier avertissement! Si tu essayes, si tu oses encore, en fait, ne pose plus tes yeux sur elle! Si je reçois encore une seule plainte, tu quittes ma maison. Patron, ici même, c'est ici même que je confesse. Patron, hey! Donne-moi une seconde chance. Si, en fait, je ne vais plus jamais te décevoir. Et dans le cas, j'essaie de te désobéir. Remplace-moi par mon jeune frère, William. Et dans ce cas, tu verras l'affaire. Ah! Moi! T'en es? Hey! Désobéis encore le patron. Et toi, viens là. Je pensais avoir déjà réglé ce problème. Alors, pourquoi es-tu encore allé le dire à mon mari? Je suis désolée, ma. Désolée. Pourquoi es-tu désolée exactement? Sorette. Vas-tu la fermer? Et toi, disparais. Ne disparais même pas. Viens par ici. Cornelius, je t'ai demandé de la fermer. Tu es stupide comme personne. Que veux-tu dire par emmener William? Pour faire quoi? Qu'il voit l'enfer. Laisse expérimenter le pire et qu'il voit l'enfer.
Monsieur, quel est le problème? Je cherche une clé USB avec laquelle je suis rentré à la maison hier. Êtes-vous sûr d'être revenu avec ça hier? Je l'ai fait, j'ai mis à jour les dossiers qui y étaient après avoir travaillé dessus. Avez-vous regardé dans votre chambre? J'ai cherché dans la chambre, j'ai cherché dans la manette, j'ai cherché partout. Je vais vérifier dans la voiture une fois de plus. Ok, je vais chercher ici. D'accord. C'est une clé USB noire. D'accord. Où l'as-tu trouvé? Près de la télé. Juste là? Oui, mais il était en dessous de ça. Oh, merci beaucoup. Ceci, j'étais déjà presque... Y a-t-il un problème? Non, non, il n'y a aucun problème, monsieur. Je voulais juste vous dire merci pour tout. Merci pour votre amour, votre soutien. Merci infiniment. Grace. Monsieur. Je te suis redevable. Monsieur, vous ne m'êtes pas redevable. Vous avez été gentil et incroyable envers moi. J'ai une confession à faire. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait à manger à ma mère ici la dernière fois. C'est ça la confession? Oui, monsieur. Tu as bien fait. Vraiment? Oui, en passant, comment va-t-elle? Elle va bien, elle vous envoie ses salutations. Merci de pas vous être fâché. Pourquoi est-ce que je me fâcherais? En réalité, elle a besoin de te voir de temps en temps. C'était bien. Je dois retourner au boulot. Merci. Le patron est vraiment beau. Et Tantine est très occupée. Le patron se soucie de moi. Il veut même renvoyer ce gardien inutile parce qu'il m'aime. Grâce. Non, je ne pense pas. Ou peut-être qu'il m'aime. Grâce. Je ne pense pas, oh. Grace. Ma. Bonjour, oh. Je t'ai dit que tu allais commencer les cours demain, n'est-ce pas? Oui, madame. Bien. Quand tu auras fini ce que tu fais, retrouve-moi en bas. Je dois t'emmener pour acheter des vêtements. Vraiment? Oui. Oh, merci infiniment, madame. Non, c'est rien. Non, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Très bien. Quand tu auras fini, retrouve-moi en bas. Ok. Un instant, j'arrive. Qui est même celui qui frappe la porte comme un foulard? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez! Ah, t'en sais même toi? Tu sais depuis combien de temps je suis placée là? En quoi cela me concerne-t-il? Est-ce que c'est mon problème? Si c'est ton problème, oui. Refais-le encore, j'irai dire au patron. Pourquoi est-ce que je ne le referai pas? Après tout, tu n'es ni l'homme, ni la femme qui m'a amené ici. Pense que je sois ton gardien. Cornelius, oui? Je vais faire en sorte que le patron te renvoie. Je vais faire en sorte que le patron te renvoie. Opé, hey Wakata. Laisse-moi te dire, si tu comptes sur le patron, moi, Cornelius, je compte sur la patronne. Tu comptes sur la patronne? Oui. Tu vas te faire renvoyer de cette maison, crois-moi sur parole. Laisse-moi te dire, comme tu sautes de haut en bas, n'essaie jamais de rapprocher tes pastèques là tout près de moi. Et comme tu le vois placé là, cet homme est affamé. En fait, il a soifé. Cornelius. Oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse-moi tranquille. Tu vas me violer, c'est ça? Moi? Violeur, tu vas aller en prison. Violeur! Mais calme-toi, mais attends, moi? Tu veux me violer? Tu m'as attrapé et j'ai dû, tu vois, déjà te repousser. Tu veux encore me refaire, non, je t'ai juste poussé comme ça. Allez, patron! Mais attends, non? Grâce à toi, ce n'est pas ça. Ton nom, c'est Grâce et tu es supposé m'accorder la grâce, non? Hein? C'est décidé. Je ne vais plus me laver les mains. Grace?
sais que je n'aime pas quand tu me réveilles brusquement au milieu de la nuit. Je n'aime pas ça. Retire ta main, s'il te plaît. Oh, ah, mais arrête! Je suis fatiguée. Tu es fatiguée. Lovette, la nuit dernière, tu m'as dit que tu étais fatiguée. Cette nuit encore, tu es fatiguée. Hein? Quand allons-nous maintenant faire l'amour, quand mari et femme? Et si quelqu'un t'entend parler, la personne pensera que je te prive de sexe. Nous avons fait l'amour le week-end, 2 fois la semaine. Ah! 2 fois? Eh? Juste 2 fois durant les 7 jours que Dieu a créés. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Certaines personnes en font moins que ça. 1 fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois en 3 mois. Certaines de mes amies, 6 mois. Et toi, tu es ici, tu l'as même 2 fois par semaine, mais tu te plains toujours. Tu connais la nature de mon travail. Je vais aller au boulot, travailler. Rentrer à la maison, travailler encore. Tu le veux tous les jours. Et même si je dis, ok qu'on le fasse, au moment où on le fera, tu ne voudras plus me lâcher. Tu voudras continuer. S'il te plaît, je suis fatiguée. Ok. La nature de ton travail, c'est ça? Je vois. Bonne arrivée, monsieur. Oui. Comment allez-vous, monsieur? Comment s'est passée la journée? C'est bien passé. Comment vas-tu? Très bien, merci. Vous voulez quelque chose à boire? Non, je vais bien. S'il te plaît, apporte cette mallette en haut. D'accord, monsieur. Qu'as-tu fait à manger? Du riz et de la sauce tomate. Grâce, c'est le moment pour toi de tenter ta chance et de dire au revoir à la pauvreté. Et s'il me rejetait? Eh bien, il n'y a pas de mal à essayer. Bébé? Grace? Non, ce n'est pas Grace, c'est moi. Tu vas bien? Lovette? Oui. Pourquoi tu l'as? Tu n'as même pas touché à ta nourriture. Oh, je suis rentré très fatigué, j'ai dû m'endormir. Je me suis endormi. Je pense aussi. Allons à l'étage pour que tu puisses te reposer. Tu vas bien? Je vais bien. D'accord. Grace? Monsieur? Oh, désolé, je savais pas que tu t'habillais. Je t'attends dehors. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez entrer. J'ai presque fini. Bien, je voulais tout d'abord dire vraiment à quel point je suis désolé de ce qui s'est passé hier. Mon intention n'était pas de profiter de toi parce que tu vis ici. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème. D'accord. Encore une chose. S'il te plaît, ne dis rien à ma femme. S'il te plaît, je t'en prie. Vous vous inquiétez trop. Je ne dirai rien, hein? D'accord. Par ailleurs, j'ai profité de chaque instant. Et je ne dirai pas non à ce qu'on le fasse. Vous comprenez? Ferme la porte. Oh, je pensais que vous étiez sur le point de partir. Wow. Wow. Je suis le PDG de mon entreprise. Je m'absente quand je veux.
Chérie, oui, je vais bien. C'est même ton coup de fil qui m'a réveillé, oui. Oui, je... Non, 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 ne reviens pas. Je veux juste me reposer. J'ai pris mes médicaments, oui. Oui. Il y a quelqu'un? Oui, c'est la télévision. Oui. Oui, ok. T'inquiète pas, j'irai bien, d'accord? Désolée. Tu as attendu longtemps? Je suis affamée. Ok, je vais te chercher. Viens là, ne fais pas comme si tu ne connais pas de quoi je parle. Ok, alors, tu veux manger? Oh. Pourquoi n'as-tu pas fermé la porte? Bonjour, ma. Je ne savais pas que vous veniez. Ce n'est pas à propos de moi. Tu aurais dû fermer la porte avant de t'habiller. Cornelius aurait pu entrer. Et après, qu'est-ce que tu espères? Tu sais comment il se comporte. Je suis désolée, ma. Ça ne se reproduira plus. S'il te plaît, je t'en prie. Ce serait mieux d'éviter certaines choses. Est-ce que tu comprends? Oui, ma. Quand tu es seule, ferme la porte. Oui, ma. Ferme la porte. J'ai compris, ma. Tu m'as dit que tu avais besoin de combien pour tes livres? 3 000, ma. Ok, voici 3 500. Tu utiliseras 500 pour ton transport. Merci infiniment, ma. Ferme la porte. D'accord, ma. Prends la nourriture à la cuisine. Je ne pense pas que mon mari va manger. Sinon, Cornelius va manger. Cornelius. Cornelius. Cornelius, quel est le problème? Bon après-midi, Sorette. Bon après-midi. Hein, Cornelius? Je t'observe depuis quelques jours. Tu es toujours de mauvaise humeur, triste ou dans ton coin. Qu'est-ce qu'il y a? Sorette, je ne peux pas parler de quoi que ce soit avec quelqu'un en ce moment. Je veux juste être seul. Cornelius, qu'est-ce qu'il y a? Comme si tu t'en souciais. Ah, ah. Pourquoi dis-tu cela? Quelque chose est arrivé? Serait pas, où vais-je commencer? Lequel vais-je compter? Vais-je compter les nombreuses insultes que je reçois fréquemment de toi et de ton mari, chaque jour qui passe? Ou bien lequel? Ok, à présent, regarde-moi. Regarde-moi, ne suis-je pas déjà assez vieux pour me marier? Malgré ça, je suis toujours seul. Et je suis celle qui t'empêche de te marier? Ou alors, je suis celle qui est censée trouver une femme pour toi? Je n'ai pas dit ça. Si, parce que tu viens juste de dire que mon mari et moi t'insultons. Cornelius, je pense même plutôt que c'est l'inverse. Hein? Écoute, je ne l'ai pas dit. Ok, très bien. Ok, d'accord, parlons maintenant de l'histoire de mariage. Je t'ai supplié plusieurs fois, comme un frère qui parle à sa sœur. Donne-moi, juste, donne-moi l'opportunité dans la nuit pour que je puisse me faufiler tout doucement hors de ce portail et me rassurer et faire en sorte que ton mari ne se doute de rien. Je vais juste me faufiler dans la nuit, puis sortir et ramener une fille de la rue. Ou alors, entrer dans n'importe quel club qui est proche et ramener soit une prostituée ou alors une fille facile. Laisse-moi commencer par là. S'arrête. Mais tu as dit non. Cornelius. Cornelius. Les choses qui sortent de ta bouche me choquent. Ah, ah. Donc, c'est ça le genre de vie que tu souhaites pour toi? Non. Comment est-ce que tu réfléchis? Hein? C'est que, oui. Non, Cornelius. Cornelius, tu veux prendre une prostituée comme épouse? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je devais commencer par là, au moins. De cette façon, Et pour finir où? Voilà! Par exemple, là maintenant, mon objectif là maintenant, j'essaye de cibler toutes les filles de commissaire, ou même du président, ou encore des sénateurs. Mais c'est mieux que je commence par toutes ces filles faciles, pour savoir comment aborder une fille. Regarde-moi, je suis encore puceau. Laisse-moi commencer par là. Salut, tu vas bien? Regarde-moi, quel est ton nom? Tout ça, mais tu as dit non.
Et là, je saurai comment me lancer. Si je ne peux pas avoir une fille facile, comment est-ce que j'aurai cette fille qui coûte cher? Essaye de réfléchir avec ton frère. Cornelius. Et le pire, ce qui me fait le plus mal, c'est cette sorcière que nous avons. Oh, ferme-la. La ferme. Tu me déçois. Je ne sais même pas quoi te répondre. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es de mauvaise humeur. Hein? Est-ce qu'on ne te paye pas? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Quoi? Tu veux commencer avec les prostituées et les filles faciles? Continue. Vierge. C'est très bien. Combien de filles as-tu engrosées au village? J'aurais-tu été pas... Ferme-la! Je pensais même que tu avais un problème. C'est pour ça que je suis ici. Je ne sais même pas à quoi je pensais. Désolée. Cornelius. Continue. C'est pas à pas. Même celle-ci ne me laisse même pas la toucher. Comment vais-je alors migrer vers ces filles d'ambassadeurs et de sénateurs? Parce que ce sont elles mes cibles. C'est vrai que je cible toutes ces filles de président, mais je dois commencer avec les filles de la rue. Pour savoir comment aborder une fille, salut, stop. Oh, laisse-moi. T'es sûr que tu veux laisse-moi. Je sais ce que tu veux. Laisse-moi. Allez, viens. Mais viens. Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air heureuse. J'ai besoin de plus d'argent. C'est pas la semaine dernière que je t'ai donné 50 000 naira. 50 000 naira, c'est petit, non? J'en veux plus. Mais pourquoi dépenser autant d'argent juste pour les cours? Pourquoi ne pas attendre quand tu iras à l'université? Et alors, je te mettrai vraiment très à l'aise. Aussi longtemps que tu continueras à me satisfaire. Tu sais que je vais toujours te satisfaire, non? Mais j'ai besoin d'argent pour prendre soin de moi et surtout de ma maman. Oh, ta mère, c'est ça? Tu es une très bonne fille. Tu es vraiment une très bonne fille. De combien tu as besoin? Michael, environ 100 000. Wow. 100 000. 100 000. Oh. Ok. Demain matin, je te donnerai cet argent. Mais tu sais ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir ouvrir un compte pour que ce soit facile pour moi de t'envoyer de l'argent. Ok. Ça te va? Oh, merci beaucoup. Mais non, retournons à nos affaires. Monsieur, laissez-moi aller mettre votre... Viens petit alors. Déjeuner. Quel petit déjeuner? Écoute, tu es tout le petit déjeuner dont j'ai besoin. Et je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler monsieur. Surtout quand ma femme n'est pas là. Tu peux m'appeler Mike. Mikey. Ou le grand Mike. Allez, viens. Oh. Je t'ai manqué. Oui, énormément. À quel point? Grâce. Qui t'a donné le droit d'entrer dans ma chambre comme ça? Grâce, quelle heure est-il à ta montre? Ce qui veut dire quoi? Je veux dire, à pareille heure. Cet homme aurait dû avoir son petit déjeuner. C'est pour cela que tu entres dans ma chambre comme ça? Grâce, ce n'est pas ce que je me dis. Je suis pas en train de parler de pourquoi ou comment. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à pareille heure, tu aurais déjà dû me servir mon petit déjeuner. Connais-tu les conséquences de cet acte? Sais-tu que je peux t'accuser de viol? Grâce, laisse-moi te dire. Ne fais pas en sorte que cet homme déverse sa colère sur toi. Ça sera vraiment désastreux. Ce sera désastreux. Je t'assure. Je ne vais pas seulement t'accuser de viol, mais je vais m'assurer que le patron te renvoie. Qu'il te renvoie et qu'on te mette même en prison. Grâce, c'est déjà arrivé à ce niveau. Regarde cet homme et prends pitié. Cet homme est affamé. Cet homme peut mordre ou mâcher, s'il te plaît. Cornelius, dehors. Merci. Vas-tu apporter la nourriture? Tu réclames encore la nourriture. Désolé. Mets-toi dehors. Désolé, garde-la. Ah, grâce. Maman. S'il te plaît, aide-moi. Hein?
Ok. Merci. Merci, chauffeur. Maman, bon après-midi. Tout ceci. Grâce. Oui, maman. Tout ça, c'est pour moi. Que tu as rapporté. C'est pour toi, maman. Hey! Hein? Oh, Seigneur Jésus, il n'y a que toi. Oh, merci. Merci, papa. Oh. Ah, gloire grand, à toi, maman. Seigneur. Merci. Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci. Oh, ma fille. Oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, maman. Maman, il y en aura plus haut. Le Seigneur s'est vraiment souvenu de nous. Oh, ma très chère. Maman. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, j'aurais eu toutes ces choses dans ma vie. Vraiment. Maman, je vais t'acheter une voiture. Hein? 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 Toi? Non, pas moi. Tantine. Mais ce sera mon nom. Tu sais que c'est moi qui ai rendu toutes ces choses possibles. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces choses de cette famille? Hein? Oh mon Dieu, bénis cette femme et son mari pour moi. Que leur maison soit pleine d'enfants. Mon Dieu, merci d'avoir fait en sorte qu'ils acceptent une pauvre veuve comme moi, en tant que leur mère. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, maman. Ah oui. C'est moi qui ai rendu toutes ces choses possibles. Je sais que tu es une enfant bénie. Oui, je le suis. Je vais continuer de te bénir. Amen, amen. Tu sais quoi? Je vais appeler ta tantine pour la remercier pour toutes ces choses. Non, non, maman, n'appelle pas. Je l'ai déjà remerciée de ta part. N'appelle pas, d'accord? Mais ce ne sera vraiment pas poli de ma part. Tu vis avec eux depuis si peu de temps. Et regarde tous ces cadeaux qu'ils m'ont fait. Ça sera très impoli de ma part si je ne remercie pas. Maman, tu n'as pas besoin de les appeler. À chaque fois que je viendrai te rendre visite, tu pourras danser, chanter, tu pourras faire tout ce que tu veux. En fait, tu pourras faire ce repas spécial que tu as l'habitude de faire, d'accord? Celui que je t'ai fait la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. Ok, pas de souci. Dès que nous aurons la maison, c'est exactement ce que je vais faire. Maman, quelle maison? Maman, cette maison-là, je vais t'offrir une belle maison, un appartement luxueux. Je vais louer ça pour toi. Maman, ne t'inquiète pas. Ah. Ma fille, je suis d'accord avec toi. Ça sera quand tu auras fini avec l'université. Oui, et que tu auras trouvé un bon travail. Oui. Je fais vite. Je dois partir acheter quelques petites choses. D'accord, maman. Juste là-bas. Ok, maman. Ha! Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Oh. À toi la gloire, mon Dieu. Merci, merci. Il faut que j'efface vite le numéro de tantine du téléphone de maman, pour qu'elle ne puisse pas l'appeler. Vous y croyez? Elle ne pense pas que je puisse lui louer un appartement luxueux. Bébé. Hein? J'ai réfléchi. Tu réfléchissais sur quoi? Je vais démissionner de mon travail. Ah. Et pourquoi? Bébé. Je sais que je n'ai pas rempli mes devoirs conjugaux. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été là pour toi. Je ne t'accorde pas vraiment de l'attention. Je suis vraiment désolée pour cela. Ce travail a vraiment pris tout mon temps. Je dois démissionner. Bébé, je t'aime tellement. Et je suis prête à tout pour te rendre heureux. Bébé, je t'aime aussi, mais je te demande pas de quitter ton travail. Bébé, je sais que tu n'es pas heureux. Et j'ai besoin que tu sois heureux. Chérie, écoute, c'est vrai. Au départ, c'était pas facile pour moi de m'adapter. Mais après un moment, je me suis habitué. Bébé, je sais. Mais étant donné qu'on a besoin que Dieu nous donne un enfant et tout, je pense que nous devrions être ensemble. Chérie, ça va. Tu vois, le sexe 2 fois par semaine, ça me convient. Je ne me plains pas. Tu sais, j'ai promis de te donner une année et je suis prêt à patienter pendant 1 an. Tu es sûr? Ouais. Ça veut dire que tu es d'accord avec cela? T'inquiète pas.
Merci. Chérie. Chérie. Alors, tu vas pas au travail? Comment est-ce que je peux aller au travail sans te voir? Vraiment? Alors, comment tu es passé la nuit? Elle était longue et ennuyante. Ma femme est partie au travail. Oh, alors, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Je te l'ai dit. Si j'étais au petit déjeuner, je peux passer toute la journée sans déjeuner. Donc, tu ne vas pas te rendre au travail? Bien. Si tu veux que je reste, je vais rester. Non, tu dois travailler. Non. Chérie, je suis le PDG de mon entreprise. Si je pars pour le travail, personne ne va me renvoyer. Veux-tu que j'aille ou pas? J'aimerais que tu restes. Je vais rester pour toi. Ok. Alors, en quoi puis-je t'aider? J'étais sur le point de faire la vaisselle. Ça te dirait de m'aider? Avec plaisir. Merci. Tu penses que je ne vais pas le faire? Mets-toi de côté, le grand Mike est en piste. Aïe, les hommes. Je souffre. Hein. Imaginez. Cette fois, ça fera la quatrième fois aujourd'hui. C'est mieux que j'aille à l'intérieur. Que je sois à l'intérieur 15 jours. Ça recommence que je sois près des toilettes. Mais c'est quel genre de diarrhée ça? C'est quel genre de diarrhée? Apprends-moi du nouveau nakatora pour moi. Ça me dérangera pendant un petit moment, mais ça va s'arrêter. Je peux avoir mon beau-frère. Je dois dire à mon beau-frère ce que je traverse. Pour qu'il me fasse voyager pour l'étranger, en Inde, aux États-Unis, pour une urgence d'ordre médical et un check-up. Avance, ça va aller. Tout doucement. Aïe. Qu'est-ce que je représente pour toi? Tu n'es rien d'autre que l'amour de ma vie. Bébé. Oui. Tu n'as jamais pensé à faire de moi ta femme? Bébé, mon amour pour toi est réel. Ne parle pas d'amour, je te parle de nous et le fait d'avoir notre propre maison. Oh, tu n'es pas confortable ici. Dans ce camp, pas aller à l'hôtel. Je me suis dit que vu qu'elle sort, personne d'autre ne vient ici. C'est pas de cela dont il est question.
Je te parle de vivre tous les deux ensemble. I thank you, Lord, you are holy, and forever you are God, and forever you are God. I thank you, Lord, you are holy, hallelujah, and forever you are God, and forever you are God. I thank you, Lord, you are holy, hallelujah, and forever you are God, and forever you are God. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sorette, je rends juste. Je rends juste gloire à Dieu. Alors, pourquoi cette agitation? Hey! Sorette, il y a quelques jours de cela, j'ai parlé à mon Dieu. J'ai dit, Dieu! Dieu, tu m'entends? Nous devons avoir cette conversation, ce dialogue, dans ma âme. Respecte-moi et je te respecterai. Seigneur, montre à mes ennemis qui sont dans cette maison, dans cette concession, que tu restes Dieu et tu es toujours Dieu. Imagine au moment où je te parle. Donne-moi juste quelques jours et tu verras le miracle. En fait, tu as répondu à ma prière. Donne-moi quelques jours et tu verras le miracle de Dieu dans ma vie. Waouh! Oui! Ton Dieu est vraiment puissant. Je t'assure, hein! Alors, Cornelius, qui sont ces ennemis que tu as dans cette maison? J'ai dit dans cette maison? C'est mon mari ou c'est moi? Non! Non, j'utilise cette maison comme lien direct avec notre village. Et tu sais que dans notre village, il y a trop de... Trop de malheur. Cornelius. Sorette. Je ne veux entendre aucun bruit dans cette maison. Ce n'est pas du bruit, c'est... Tais-toi. Et retourne à ton poste. D'accord. J'y vais. Comment peut-elle me demander de l'épouser? J'ai une femme. Comment est-ce que Lovett va réagir si elle apprenait ça? Et d'un autre côté, je ne peux pas me permettre de perdre cette fille. Oh Dieu. J'ai besoin d'être guidé. Beau-frère, qu'est-ce que c'est encore, hein? Pourquoi tu me cries après? Attends, mon beau, relax. Quoi? J'ai dit calme-toi, relax. C'est à moi que tu fais ça. Chut. Écoute, beau-frère. Écoute-moi, si tu n'as rien d'important à me dire, t'as qu'à retourner à ton poste, ok? Beau-frère, qu'as-tu acheté pour moi? Quelque chose comme des biscuits, des gâteaux ou du yaourt? Qu'est-ce que j'ai acheté pour toi? Je te l'ai déjà dit, oui. Beau-frère, c'est ton devoir et c'est mon devoir. Tu es censé m'acheter quelque chose en rentrant à la maison. Et tu cries comme si. Regarde la manière dont tu me cries même. Hein? Si à moi tu t'adresses? Qui es-tu? Que penses-tu représenter? Hein? Oui! Tu n'es rien d'autre qu'un beau-frère ordinaire. À
Attends. Et donc tu voudrais que j'aie peur de toi? Bah, ce n'est pas possible. Si tu savais ce que cet homme représente, si tu savais ce que cet homme ici est capable de faire, tu es celui qui devrait avoir peur de moi. Peur de moi. Dis-lui, c'est à moi que tu parles ici. Qui es-tu? Que penses-tu être? Que penses-tu représenter? Qui suis-je? Relax, s'il te plaît. Tu sais quoi, assez. Tu quittes ma maison de l'un dès la première heure. J'en ai fini avec toutes ces bêtises. Cette arrogance et cette insolence avec tes stupides blagues. J'en ai terminé avec... Écoute, je m'en fous de ce que ta sœur va dire ou même ta famille. J'en ai fini avec toi. Tu m'as terminé. Reviens, laisse-moi te dire. Viens. Tu vois cette massue que tu viens de lâcher? Je vais la frapper sur ta tête maintenant. Attends. Quand tu auras fini de voir cette vidéo... Qu'est-ce que c'est? Relax. Tu sauras de quoi je suis en train de parler. Bon frère, regarde. Oh, doux Jésus. Oui. Cornelius. Oui. Comment tu as vu cette vidéo? Tu essayes encore de me toucher. Tu vas. Qu'est-ce que tu as vu ça? Ne te dérange pas. Cette question maintenant, je l'adore. Réserve-la pour toi. Au moment où je serai avec ma sœur. En ce moment, tu pourras me poser cette question. Et volontairement, je te donnerai la réponse. Tu penses que tu es rusé? Tu es trop égoïste. La seule nourriture qui était faite pour moi. Tu y allais y mettre les doigts. Et tu t'emparais de la nourriture. Tu penses tout avoir pour toi seul. Cornelius. C'est bon, calme-toi. Donc à présent, c'est de cette façon que tu te comportes. Maintenant, ramasse ta mallette. Je dis, tu es sourd. Ramasse ta mallette. Baisse-toi et ramasse-la. Bien. Tourne-toi et va dans ta chambre. Cornelius. Et tu es encore en train de parler? Tourne-toi, ce n'est pas le temps pour toi maintenant. Tourne-toi. Maintenant, avance. Qu'est-ce que tu attends encore? Vas-y. Quand ça sera le moment, je vais t'appeler, tu sors. Oh. Aïe. Le pouvoir. Le pouvoir. Oh. Pas étonnant que ces personnes se tuent entre elles à cause du pouvoir. Aïe. Ramasse ta mallette. Vois l'intérieur. Animal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien? Mais je sens qu'il y a quelque chose. Je dis rien, laisse-moi tranquille. Je suis pas d'humeur. Cornelius. Cornelius, je veux te parler. Cornelius, où est le téléphone? Oh! Voici le téléphone. Cornelius, tu sais que le contenu de ce téléphone va briser le cœur de ta sœur. Ça va détruire son cœur. As-tu pensé à cette partie quand toi tu le faisais? As-tu un seul jour pensé à ma sœur quand, de manière honteuse, tu étais en train de remuer tes hanches sur cette... dévergondée, hein? Désolé, j'étais emporté. J'étais... Arrête de raconter des histoires. Emporté. Emporté par quoi? Toi, tu me dis que tu étais emporté. Toi! En fait, pour ton information, arrête de t'expliquer à chaque fois. Arrête de donner des explications. Parce que je suis là maintenant et je m'en fous de tes explications. Qu'est-ce que tu vas dire? D'ailleurs, beau frère, tu as dit que je quitte ta maison, n'est-ce pas? Où se trouve ma sœur? Laisse-moi lui parler avant de partir. Cornelius, il n'est pas nécessaire que tu parles à ta sœur, s'il te plaît. Je t'en prie. Grand homme, tu me supplies? Je vois les miracles. Non, tu es en train de me supplier. Oh, désolé, parce que je vais te décevoir. Cet homme ici, en fait, je me suis déjà décidé. Je vais quitter cette maison, d'après tout, ce n'est pas ma maison. Donc, il n'y a pas de raison pour que je reste ici. Mais Cornelius, tu sais que ce que contient ce téléphone est désastreux. Oui, c'est ça, c'est désastreux. C'est juste Attends, une catastrophe. Garde bien ta salive, garde bien ton énergie. Avant que je te coupe la langue, toute cette grammaire, c'est pour qui? Pour moi? Laisse-moi te dire que ce soit une catastrophe ou encore une incantation.
ou encore les déchéances, peu importe les calamités que cela va entraîner, ça sera sur ta tête. Et non sur la mienne. Tu es celui qui a causé tout ça. Imagine-toi, tu es vraiment égoïste. Tu ne veux même pas me donner une chance de partager même le devant. Ok, ça va. Je sais ce que tu veux. Je suis prêt à te le donner. Je vois la manière dont tu la regardes. Tu veux la fille? Tu peux l'avoir. Déguste-la, dévore-la, détruis-la, prends-la. Elle est toute à toi. Essayes-tu de m'insulter? Es-tu en train de m'insulter? Que je devrais l'avoir après que tu l'aies complètement buté? Tu veux maintenant me faire une passe comme un ballon? Hein? Ce n'est pas ce que je veux. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Très bonne question. Maintenant, tu parles. Beau-frère, es-tu prêt à jouer ce championnat? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ah, tu n'es pas prêt? Oui, oui. Bien. Arrête tes deux oreilles. Quoi? Attrape tes deux oreilles. Cornelius, pourquoi? De quel côté se trouve ta femme? Hein? Arrête. Bien. Maintenant, premièrement, dans cette maison où je vis avec toi, je ne permettrai plus au grand jamais que toi, tu me grondes ou encore tu me cries dessus ou encore tu me parles mal, encore moins faire du n'importe quoi, c'est comme encore. Ça, c'est premièrement. D'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Bien. Deuxièmement, à chaque fois que tu entreras dans ta voiture et que tu la démarreras pour te rendre à ton travail, à ton retour, tu devras m'acheter du soya. Achète-moi des yaourts et de la crème glacée d'un très bon glacier réputé de la place. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Bien. Maintenant, le troisième qui n'est pas le dernier. Bon frère, peu importe ce que je voudrais dans cette maison, peu importe quoi, que ce soit des vêtements, que ce soit quoi, que ce soit n'importe quoi, tu devras tout faire pour les avoir. Tout ça pour que je les utilise. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? D'accord. Tu es sage. À présent, bon frère, regarde-moi. Les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Bien. Finalement, tu vas me donner 10 millions de naira. Mon Jésus! 10 millions de quoi? Naira! En fait, vu la manière dont tu viens de crier, ce sera maintenant des dollars. 10 millions de dollars. Les gens diront que c'est ton beau frère et que je suis une mauvaise personne. Vois-tu que je trouve cette somme d'argent comme si je m'en souciais? Est-ce mon problème? Je ne m'en soucie pas. En fait, il ne faudrait pas qu'on dise que cet homme ici est sans cœur et très mauvais. Je vais réduire la somme. 5 millions. Et je te donne un mois pour le faire. Sinon, es-tu d'accord? Vas-tu? Es-tu d'accord? En fait, d'accord ou pas d'accord? Ne te dérange pas. C'est comme si tu n'as pas l'air d'accord. Laisse-moi aller voir ta femme. Cornelius. Cornelius. Tu appelles maintenant Cornelius. Pense être sage. Je l'ai avec moi. Tu vois? Cornelius? Oui, mon ami. Cornelius? Comment tu vas? Va m'acheter une carte de recharge. Hein? Ça ne va pas? Es-tu fou, garçon? Es-tu fou ou quoi? Hein? Combien de fois devrais-je te dire qu'à chaque fois que tu veux m'envoyer quelque part, n'importe où, fais usage de ce mot, s'il te plaît? Ou alors dois-je l'épeler pour toi? Hein? Dans tous les cas, c'est toi qui vois. Cornelius,
S'il te plaît, va m'acheter une carte de recharge. Maintenant, tu raisonnes. Une chose de plus, que ce soit bien clair. Hein? Ne compte plus sur moi pour m'envoyer encore quelque part. Ne me demande plus de faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Après ça, je dois me reposer. Du genre 2 jours de repos. J'espère que c'est d'accord pour toi. J'espère que c'est d'accord. C'est d'accord. Ah, très bien. Quelle carte voudrais-tu que j'achète pour toi? Vodacom, Intelcom, Customcom, laquelle des cartes? Et de quel montant? C'est quel genre de question serait-ce aujourd'hui que tu achètes des cartes pour moi? Attends. Es-tu en train d'oser le temps sur moi? Hein? Baisse d'un temps. Comment oses-tu soulever ta main en me parlant? Bébé, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Mike, depuis un moment, tu m'évites. Non, c'est pas le cas. S'il te plaît, arrête de faire semblant. Tu m'évites depuis que je t'ai demandé de m'épouser. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû savoir que c'était une erreur. Que je n'étais qu'un objet sexuel pour toi. De quoi est-ce que tu parles? Écoute, j'ai un problème plus important en ce moment. Et ça aurait pu être évité si tu étais prudente. De quoi tu parles? Cornelius. Cornelius m'a montré une vidéo de nous en train de... Une vidéo de nous faisant l'amour il y a quelques jours, dans son téléphone. Comment est-il entré dans ma chambre? Es-tu sûr que la vidéo est réelle? Tu veux dire quoi par la vidéo est-elle réelle? J'ai vu la vidéo avec mes propres yeux! J'ai vu cette vidéo! Si ma femme le découvre, ça sera l'enfer sur Terre! Qu'est-ce que nous allons faire? J'en ai aucune idée. Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire là présentement. Je ne fais que lui parler. Mais tu sais comment Cornelius se comporte? Il est très têtu. En ce moment, il fait beaucoup de demandes. Comme tu peux le constater, j'ai des affaires plus importantes à gérer. La vie est vraiment belle avec ce soleil. Et moi, Cornelius, j'en profite. La vie est vraiment belle, Cornelius, quand toi tu manges. Alors profite bien de la vie. La vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt et non à ceux qui dorment comme des petits feignants. Cornelius, toi, tu es un grand homme, tu es un grand type. Tu sais comment gagner. Hey, hey. Cornelius, tu es un grand type. Tu es un grand type. Hey, hey. Cornelius, tu ouvris le portail. Hein? Viens m'ouvrir le portail, non? Attends, viens par là. Amène-toi. Es-tu folle? Mmh? Es-tu stupide? Ça ne va pas la tête? Je m'excuse. M'as-tu salué? Désolé, Cornelius. Bonjour. On nous a toujours appris à respecter nos aînés. Et tu es supposé savoir que cet homme appelé Cornelius, je suis ton aîné. Et je suis censé, de plein droit, censé être ton oncle. Je suis vraiment désolé. Où est-ce que tu vas? Où as-tu dit que tu partais? Je vais au cours pour préparer mon jump. J'ai compris ça, mais j'ai prétendu de ne pas t'avoir bien compris. Qui t'a donné le droit et le courage de m'appeler par mon propre nom? Ne peux-tu pas utiliser monsieur ou encore patron Cornelius? Désolé Cornelius, désolé monsieur. Bien, monsieur le patron Cornelius. Monsieur patron Cornelius. Là c'est mieux. Ou as-tu dit que tu partais ou bien tu pars? Mes cours de jump. Donc, subitement? Non, subitement! Tu t'es rappelé des cours de prépa, du jump. Quand tu étais occupé à l'intérieur, avec le patron. Tu vois ça? Le mal, c'est à cet endroit que les gens se cachent.
Non, quand tu étais occupé à t'amuser avec le patron, tu ne te rappelais pas de tes cours de prépa. Monsieur, pardon. Tu vois à quoi ta vie ressemble? Ne te fâche pas, je t'en prie, s'il te plaît. Maintenant, grâce, tu sais que je peux te demander de t'allonger là maintenant. Et je sais que tu vas le faire, n'est-ce pas? Bien. Écoute, grâce, tu sais, en fait, tu sais que je peux t'ordonner de m'embrasser maintenant. Tu devras le faire. Tu dis non? Tu es sérieuse? Donc tu dis non? Tu le feras. Cornelius, s'il te plaît, va ouvrir le portail. S'il te plaît, je dois partir, s'il maintenant, te plaît. Maintenant, tu demandes, je le promets, s'il te plaît. Maintenant, s'il te plaît, viens plus tard. Tu vas refuser pour ton information. Tu vas te remettre sur tes pieds maintenant. Tu vas aller à l'intérieur de la maison et déposer tes cahiers. Parce qu'il n'y a pas de leçon de papa en ce qui me concerne. Je dois aller en cours. Es-tu en train de discuter avec je moi? Je dois réussir mon examen, s'il te plaît. Grâce, je parle. Et toi, tu continues de parler. Je t'en prie. Ok, c'est bon. Laisse-moi appeler la patronne. Non, je m'en vais. Es-tu sûr de vouloir t'en aller? Oui, je m'en vais. Alors, bouge. Avance. Cornelius. Tu sais, du moment où tu viens près de moi et que tu ne me désobéis pas, je ne te désobéirai pas du tout. Je peux te dire de m'embrasser maintenant et tu ne me désobéiras pas. J'ai le pouvoir. Donne-moi le pouvoir de vaincre. Un homme fort. J'ai fait comme si je ne profitais pas du spectacle. Bon frère. Cornelius, qu'est-ce qu'il y a? Bon frère, bonjour. Je pensais que tu as déjà mangé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, sœur, est-ce que je dois seulement venir ici pour de la nourriture? Hein? Je peux venir ici pour autre chose. Mon beau frère, je voudrais te supplier par rapport à quelque chose de très important. En fait, prends ça comme une faveur. Qu'est-ce que c'est? Bon frère, s'il te plaît, ne te fâche pas contre moi. Ne sois pas en colère. Manchester United va jouer leur match aujourd'hui vers 16h. Oui, donc je veux te supplier de me permettre d'aller chez Tony, ce coiffeur qui est près de la maison. Permets-moi d'aller regarder le match. Dès que le match va finir, je vais rentrer. Cornelius. Sœurette. Qu'est-ce que cela signifie? Te permettre d'aller où? Voir le match. Quel match? À qui vas-tu laisser mon portail? Hein? Bébé. Je suis désolée. Je peux comprendre si tu es en colère. Je ne sais vraiment plus quoi faire de ce gars. Cornelius, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? N'as-tu pas ne serait-ce qu'un peu de cervelle? C'est bon. Hein? Ça va. Après tout, c'est ton frère, n'est-ce pas? Oh, beau frère, s'il te plaît, pose-lui encore cette question. C'est ton frère. Ici, c'est bien la maison de ma sœur. Hein? La maison de mon beau-frère. Oh, oui. Tu peux aller. Hey! Merci, beau frère. Tu vas vivre longtemps. Très, très longtemps. Merci. Dis juste à Grace de fermer le portail. Oh, ne t'en fais pas. Je le ferai. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? C'est ton frère. Donnons-lui un peu de liberté, d'accord? Après tout, je pense que c'est quelqu'un de bien. Je ne comprends pas. Depuis quand as-tu commencé à être gentil avec lui? Bébé, je m'adresse à toi. C'est ton frère. Je dois être gentil avec lui. C'est délicieux. Vraiment délicieux. Beau frère! Beau-frère! Mon beau-frère! Un instant, j'arrive! Beau-frère, tu dors? Ok, je pars, je vais revenir. Moi, j'arrive! Beau-frère! Eh bon? Encore? Oui? Depuis quand tu m'appelles beau-frère? Mais tu es mon beau-frère, non? Hein? Tu as raison. Donc il n'y a pas de raison pour que nous nous querellions toujours. Donnons une chance à la paix.
Je venais juste de prendre mon beurre. J'essaie de mettre l'huile. Okay. Et quand j'ai entendu ta voix, je me suis précipité dehors. Ok, je vois. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Je suis juste venu te rendre visite, beau frère. Tu ne me proposes pas de m'asseoir? Ok, donc tu es venu me rendre visite. Oui. Et tu veux maintenant que je te traite comme un visiteur? C'est ça. Aïe. Ok, fais avec le banc. Sens-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Oui, prends place. Beau frère, je t'en prie, assieds-toi. Beau frère, qu'est-ce que je peux bien t'offrir maintenant que tu es chez moi? J'ai de l'eau minérale, un peu de ginaps et aussi un peu de calaca. Beau frère, c'est qui à moi et à toi? Peu importe ce que tu veux, tu peux entrer à la maison, ouvrir le réfrigérateur et prendre des boissons bien fraîches. J'ai du champagne, du vin rouge, du vin blanc, de la bière, des jus, de l'eau glacée, tout ce que tu veux. Tu peux venir te servir. Je peux aller tout prendre? Tout à fait. Hey, est-ce une blague? Hein? Après tout, c'est comme ça que c'est censé être. Oui, c'est comme ça que c'est censé être. Oui, oui. Mais bon, frère. Pas, hein? Il fait tellement chaud à l'intérieur. Il fait vraiment chaud. Mon climatiseur ne fonctionne plus. Peux-tu imaginer? Ça ne fonctionne pas. Toi-même, regarde. Mais pourquoi ça. Tu ne me l'as pas dit? Demain, à la première heure, je ferai venir un électricien pour qu'il vienne réparer ton climatiseur. Je te le promets. En fait, je vais t'acheter un nouveau climatiseur. L'électricien? Oui. Ce court type. Oui, l'ingénieur, celui qui a tout installé dans la maison. Cet homme par moment se comporte comme un idiot. Es-tu sûr qu'il peut s'en occuper? C'est lui qui s'est occupé des installations à la maison. Demain matin, il doit venir avec un climatiseur neuf juste pour toi. Mon beau frère, tu dois être à l'aise. Oui, c'est exact. Le soleil est tellement intense. C'est brûlant. Oui. Beau frère. Hein? J'ai quelque chose pour toi. J'ai... Je t'ai acheté un téléphone. Qu'est-ce que tu célèbres? Rien, mon beau frère. Rien. Beau frère, je pense que tu as atteint un niveau de sophistication. Donc il te faut utiliser un téléphone sophistiqué comme celui-ci. C'est ce que tout le monde dans la société, toutes les grandes personnalités utilisent. Les gens du village doivent savoir que mon beau frère vit exactement. À Lagos. Ouais, ceci est un Apple iPhone 6S Plus. C'est d'accord. Pour... Et vous? Ok. iPhone, donc il y a un téléphone à l'intérieur. Non, c'est un iPhone 6S Plus. La nouvelle sortie des téléphones mobiles. Oh. Donc I ne signifie pas un, mais plutôt 6 téléphones en un. Non, beau frère. Quand ils ont fabriqué ce téléphone, quand ils ont fabriqué le premier, ils ont vu qu'ils ont fait une erreur. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. C'était le meilleur, le S représente stop. Ok, oh, donc celui-ci, ok, donc celui-ci représente la dernière sortie. C'est exact, mon frère, c'est ça. C'est gentil, merci infiniment. Si tu avais été gentil, nous n'aurions pas eu de problème. Mon frère, ce que tu feras pour moi... N'importe quoi pour toi. Apporte ton vieux téléphone pour que je puisse transférer toutes tes données dans le nouveau. Tes contacts, tes photos, tout ce que tu avais dans l'ancien téléphone, tes messages seront visibles dans le nouveau. C'est comme si je ne t'ai pas bien entendu. Ton ancien téléphone. Tu dis que je devrais l'apporter. Oui. Tu me le donnes. Je te le donne. Tu me le donnes. Je vais transférer tout ce que tu avais dans l'ancien téléphone, tes musiques, des photos, toutes tes données dans le nouveau téléphone. C'est un plan? Hein? Bon frère. C'est ça ton plan? Quoi? Ah-ha! Pas étrange, tout ce... changement subit. Beau frère. Imagine, si je n'ai même pas encore fini de parler du climatiseur, que tu aies conclu de venir avec l'électricien. Ok, je ne me dérange pas. L'électricien va tout arranger. Ou alors tu vas acheter un autre. Ok, maintenant, tu me demandes d'aller à l'intérieur, d'aller dans ta maison, et de prendre tout ce que je veux dans ton réfrigérateur. N'importe quoi. Quelque chose que tu n'as jamais, au grand jamais fait, depuis que je suis entré dans cette maison. Mais, beau frère, j'essaye de changer. Tu as été démasqué. En fait, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais te faire quitter ta belle maison pour que tu viennes rester ici. Oui, tu vas rester ici. Pendant que moi, Cornelius, je vais aller m'installer dans la maison principale. Mais dis donc, tu veux que je te donne mon ancien téléphone à cause de ce qui se trouve à l'intérieur. Et tu penses que moi, Cornelius, ici, je suis assez stupide pour le faire. Regarde-toi. Pour ton information, je t'ai déjà donné un mois. Et ce mois approche à grands pas. Faites en sorte que ça se passe. Cornelius, s'il te plaît, fasse la vidéo, je t'en prie. Tu es encore là? Tu veux que je baisse le ton, n'est-ce pas? Ouais, s'il te plaît. N'est-ce pas? Bien, maintenant lève-toi. Va dans ta maison.
Es-tu subitement devenu sourd? Ne te dérange pas, laisse-moi appeler ma sœur. C'est bon, ça va, s'il te plaît. Tu ne veux pas que je l'appelle, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, lève-toi. Hein? J'ai dit, lève-toi. Cette maison est-elle la tienne? Maintenant, va-t'en. Imaginez ça. Avance, reviens. Donne-moi cette chose, donne-moi. Donne-moi le sac. Après tout, c'est pour moi, pour ton information, ce carton ne sert à rien. Alors, donne-moi le sac. Donne-le-moi. As-tu mangé? As-tu mangé? Maintenant, va voir Grace qu'elle te donne à manger. Va manger. Que Grace te donne à manger. Pouvez-vous imaginer? Comme si cet homme ici, je suis juste un homme qui a une tête vide. Apporte ton ancien téléphone. Ok, j'attends comme si je ne pouvais pas le transférer moi-même. Animal. Et il m'offre le vin. Ah, où est-ce que j'ai déposé mon huile? Espèce d'idiot. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui te retenait? Pourquoi pourquoi tu me fais attendre? Désolée, j'avais beaucoup de choses à faire dans la maison. Beaucoup de choses à faire dans la maison? Oui. Mais tu sais qu'on avait un accord, hein? Et cet homme qu'on élise, je n'aime pas trop jouer avec mon temps. Désolée, assieds-toi. Merci. Oui, prends place. Merci. Écoute, je n'aime pas trop jouer avec mon temps. Laisse-moi le consommer, puis j'irai bien. Tu sais de quoi je parle. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Je suppose que tu as fini avec ce que tu faisais, n'est-ce pas? Oui, j'ai terminé. Très bien. Dans ce cas, allons-y à l'intérieur et finissons-en, hein? S'il te plaît, commençons ici, non? Il n'y a personne à la maison. C'est vrai, tu as raison. Quelqu'un pourrait-il être en train de nous observer? Personne ne nous observe. Tu veux dire qu'il n'y a pas de risque ici? Oui, il n'y a aucun risque. J'aime bien cette journée. Il n'y a personne. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Assieds-toi. Viens de ce côté, que je sois près du portail, au cas où. Ok. Oh. Hi. Je vais te faire un petit massage, hein? Doucement. Doucement. Désolée. Grâce pas seulement à cet endroit. Où veux-tu que je vais descendre plus bas vers ma poitrine. D'accord. Plus bas. Par la tête sur mon corps. Lâche ça. Grace, qu'est-ce que... Es-tu censé être là? Cornelius, je t'en prie. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, fais cette vidéo de ton téléphone, je t'en prie. Hey! Les gens de cette terre, j'ai cru que tu étais venu ici pour que nous puissions passer un bon moment. Mais Cornelius, nous passons du bon temps tous les jours, non? S'il te plaît, non, supprime cette vidéo. Hein? Donc tu es ici? La raison de ta venue ici, c'est de me voler mon pouvoir. Donc tu veux me retirer mon pouvoir pour voler mon téléphone. Ne sois pas en colère, ne sois pas en... Grâce. Il ne faut pas te fâcher, ne sois pas... Retire tes sales mains de moi. Grâce, je te jure, ne me touche plus encore. Je ne le fais plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Grâce, tu veux prendre mon téléphone? Ne te fâche pas, non. Efface cette vidéo. S'il te plaît. Que j'efface cette vidéo? Ok, imaginons juste que tu avais réussi. Et les 10 minutes qui auront suivi, comment penses-tu que toi, Grace, serais-tu en train de me parler à moi, Cornelius? Regarde la façon dont tu m'as traité auparavant, comme moins que rien. Tu veux me prendre mon pouvoir? Grace, disparaît. Cornelius, s'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi... Grâce, si tu t'aventures, si tu essayes, si tu oses encore me toucher maintenant, si tu me touches encore, la façon dont je vais faire descendre l'enfer sur toi, personne ne pourra te reconnaître. Donc tu es là pour voler mon téléphone? Disparais. Va-t'en. Cornelius, s'il te plaît. Va-t'en, dégage.
lu ça. J'ai lu ça dans la Bible sans rien comprendre. Hey! Une mission à laquelle ton patron a échoué. Oh Dieu merci. Hey! Dalila! Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois remercier ton villageois de Frey. Il est juste amusant. Il est amusant. Qu'est-ce qui est amusant? Qu'est-ce qui est amusant dans ce qu'il fait? Nous sommes déjà en retard et tu es ici à rigoler. Chérie, pourquoi es-tu avec lui? Je ne comprends pas. Attends, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu m'as dit que je ne sois pas très dur avec ton frère. Et maintenant, je le tolère. Donc, tu devrais lui donner aussi une chance. Après mes réflexions, je pense qu'il est amusant. Cornelis, il est très drôle. Cornelis, si tu n'arrêtes pas immédiatement ce que tu es en train de faire, je vais vider ce seau de salle sur ta tête. Attends. Patron, il me reste une petite partie à nettoyer. Laisse-moi terminer. Non, ça va, t'inquiète. Bébé, je ne comprends pas cette familiarité que tu as avec lui, c'est terminé. Je pense que c'est quelqu'un de drôle. Je l'aime bien. Honnêtement, je ne peux plus supporter ça. Je couche avec Cornelius depuis les deux dernières semaines. Ah. Coucher comment? J'ai à faire l'amour. Oui. Quoi? Je pensais que tu t'arrêtais juste au charme. Il réclame du sexe. Bébé, cet homme est vraiment sale. Je suis fatiguée. Donne-moi un peu de temps, je vais trouver une solution. Combien de temps encore? Pourquoi ne pas tout simplement lui donner ce qu'il veut? Attends, mais t'es sérieuse là? Non, sérieux, selon toi, je lui ai pas demandé ce qu'il veut. Laisse-moi te dire, il veut 5 millions de naira. 5 millions? 5 millions de naira. Seigneur, cet homme est très intelligent. C'est pour cela que j'essaie de négocier avec lui pour qu'il réduise la somme. Mais tu sais comment ce gars se comporte, il est très têtu. Tu dois vraiment faire quelque chose. Bien, peut-être que je devrais juste lui donner cet argent. Quoi? Non, tu peux pas faire ça. Comment peux-tu donner 5 millions de naira à un gardien, hein? Je ne comprends pas, le contenu de cette vidéo va détruire mon mariage et ma femme. Je le sais, mais tu ne peux pas donner autant d'argent à un gardien. Et si après il le dit quand même à ta femme? Ok, as-tu une meilleure idée, toi? Non, mais je vais y penser. Il doit y avoir une solution. S'il te plaît, je suis ouvert aux suggestions. N'importe quoi que tu vas trouver, fais-le-moi savoir. Chérie, tu m'as manqué. S'il te plaît, Grace, c'est vraiment pas le moment des câlins. Nous sommes dans la merde. Nous sommes dans une sacrée merde. Un énorme merdier. Mon Dieu.
après toi. Et si ce n'est pas ta maison, ou alors tu vas habiter avec moi. Attends, attends. Oh, viens, 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 viens à l'intérieur. Hey, viens voir. Hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais toi, je suis couché. Je suis couché. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Rien. Tu sais ma personnalité, moi. Rien du tout. Tu n'as pas d'argent? Pas d'argent. Il y a tout des pas d'argent, rien du tout. Ok, tu n'as que le téléphone. Que le téléphone. Allez, va apporter le téléphone. L'argent que ton patron. Dépêche-toi. Le téléphone. Aïe, aïe. Pardon, monsieur. Hein. Rapidement. Et hey, wow, pardon, monsieur. Aïe. Hey. Dépêche-toi. Hey. Vite. Hey, pardon. C'est tout. Il ne me donne pas d'argent. Il ne me donne pas d'argent. Je vous en prie. Il ne me donne pas d'argent. Je vous en prie. Aïe. Ferme tes yeux. Oh, Marie, Nathanaël, Jacob, Élie. Hey, non, je suis mort. Je suis fini, ils sont partis. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Les bandits. Quoi? Hey, ils sont partis. Ils ont porté leur arme sur cet homme. Hey, mon cerveau ne fonctionne plus normalement. Les bandits. C'est une blague. Arrête ça. Cornelius. Ce n'est pas une blague. Quel bandit? C'était un bon Saint-Martin. Il y avait une fille qui pleurait là-dehors. Une fille? Oui. Elle pleurait. Tu as ouvert le portail, Angie? Non. En fait, il y avait des hommes après elle. Elle disait qu'il y avait des hommes qui la poursuivaient. Et okay, en tant que bon Saint-Martin. Il y a eu quoi après? Ils ont pointé une arme. Non, comment ils sont entrés? J'ai ouvert. Pour le portail. Pour qui? Pour la fille. Chérie, calme-toi. Pardonne-moi. Comment peux-tu ouvrir le portail à une étrangère? Ce ne sera pas la deuxième vague de bonnes. Qu'est-ce qu'ils ont pris sur toi? Ils ont tout pris. Mon téléphone. Hey! Cornelius. Cornelius. Je ne travaille plus. Tu voulais qu'ils nous cambriolent? Ils ont pris. À quoi est-ce que tu pensais? Ils ont tout pris. Cornelius. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui t'a pris? Cornelius, à quoi est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je voulais juste être un bon Saint-Martin. Dieu merci. Non! Comment peut-il ouvrir le portail à une étrangère à 7 heures de la nuit? Calme-toi. Désolé. Et si quelque chose de grave était arrivé? Il va bien. C'est l'essentiel. Ne sens pas la deuxième vague de bandits, s'il te plaît. Calme-toi. Je m'en vais. Cornelius. C'est bon, calme-toi. Cornelius. Dieu merci, ils ne sont pas entrés à l'intérieur. Et s'ils étaient venus me menacer, ma femme et moi? Et s'ils étaient entrés pour violer ma femme? C'est encore comme un rêve pour moi. Hein? Mon cerveau n'est pas intact. Mon cerveau ne fonctionne plus bien. Il était d'abord intact. Mesdames, allons à l'intérieur. Sorette. Je ne peux pas dormir ici, s'il vous plaît. Permettez-moi de dormir dans la maison principale, même dans la chambre de grâce. Hein? Allez, dégage dedans. C'est quoi ces bêtises? Tu vas pas seulement dormir. Avec grâce, tu vas dormir dans la chambre de ma femme. Ça va aller. Les filles, allons-y. Ça va aller. Cornelius, donc ton téléphone est parti. Ils ont tout pris. Oui, mon téléphone. Hey! J'aurais pu mourir comme ça, dans cette maison, et tout le monde allait s'en foutre. Hey!
Ouais, salut. J'ai vu ce que vous avez fait hier soir, vraiment. Voilà. J'avais tout respecté. Vous avez fait du bon travail. Je t'ai dit qu'on n'a jamais joué. C'est pas notre là qui pouvait nous dépasser, là. Vous l'avez? C'est bon, garde celui-là. Ah, boss. Ouais, c'est pour toi. Mon frère, garde ça bien. Grand frère. Regarde ça bien, mon pote. Cornelius, qu'est-ce que tu fais depuis? Comment hey oses-tu... Hey, comment oses-tu me faire attendre? Mon frère, tu m'as giflé. Je vais encore te gifler. Tu me fais encore attendre au portail. Je suis fatigué de toutes ces bêtises. Tu penses que tout le monde est là pour s'amuser avec toi? Bébé. Hein? Je te l'ai dit, si tu es fatigué de travailler, s'il te plaît, tu fous le camp de ma maison. Bébé, calme-toi. Reviens-le. Reviens-le. Cornelius! Où on connaît ça, ma? Cornelius! Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Je t'appelle et tu te donnes mes balles tout près de me répondre! T'es malade? Je ne savais pas que c'était toi! Je crois que tu as acheté un nouveau chien! Désolé, monsieur! Désolé! Tu es normal? Où est la carte de recharge que t'as envoyé m'acheter? Patron, pour ton information, tu as envoyé cette nouvelle quand j'étais sur le point, en fait, quand je commençais à manger! Donc, tu dois attendre que moi je finisse de manger avant que je n'aille où tu veux t'acheter n'importe quelle carte. Hein? Je dois attendre que tu finisses de manger. Patron, attends. Tu sais quoi, j'en ai plus que marre de ton incorrigible insolence. Tu quittes cette maison aujourd'hui. J'en ai terminé. Patron, attends, j'ai de quoi te rafraîchir la mémoire. Un instant. Tu aboies? Attends, reste calme. Écoute comment tu aboies. Qu'est-ce que c'est? Patron, laisse-moi te montrer. Je pense que cet homme ici, regarde sa tête. Il a la même tête, la même forme de celle que toi. Cornelius. Je crois qu'il te ressemble. Cornelius. Non, imagine. Je pensais que les bandits ont... Je pensais que... Arrête de penser, parce que je suis intelligent. Laisse-moi te dire, pour ton information, la prochaine fois que tu voudras me parler, tu devras baisser. Baisser d'un ton. Enfin, tu devras baisser ta voix. Et il faut savoir que quand j'ai suspecté un complot, j'ai dû courir chez mon ami. Qui a pu me multiplier cette vidéo 5 copies. Oui. Donc au moment où je te parle, je peux déposer ce téléphone. Je peux même te le donner. Je peux le jeter. Je peux le jeter où je veux. Ce que chez mon ami, il en reste encore 4. Donc à présent, cet argent n'est plus seulement 5 millions. Tu vas me donner 7 millions. 2 millions de plus pour me dédommager. 2 millions? Oui. Cornelius, pourquoi tu fais ça s'il te plaît? Maintenant, laisse-moi te dire. À cause du genre de personne que tu es,
Pour autant que je sois ton aîné en âge, je suis aussi ton aîné en raisonnement. Donc, je lui ai dit que si quelque chose, si tu essaies de m'empoisonner, si quelque chose arrivait à cet homme, Cornelius, qu'il se rende n'importe où et expose cette vidéo. Regarde-toi. Cornelius, je ne peux pas t'empoisonner. T'es mon beau-frère. Je ne peux pas faire ça. Je t'en prie. Maintenant, tu me supplies. Écoute comment tu me supplies. Oh, tu es mon beau-frère. Je ne peux rien te faire. Qu'est-ce que tu as au réfrigérateur? Hein? Qu'est-ce que tu as au réfrigérateur? Tu dis, hein? Tu es sous? Tu es devenu sous maintenant? Tu as quel type de vin? Le vin international ou bien local? Du vin? Du vin? Bah! De l'eau! De l'eau bénite! Va à l'intérieur, rapporte-moi du vin pour que je puisse faire descendre cette nourriture. Allez, vas-y! Avance! Regarde la manière dont tu marches. Tu marches comme un domestique. Marche comme l'homme que tu es. Animal. Hey! Dieu! En fait, Dieu du ciel, je te remercie de m'avoir donné ce genre de cerveau. Merci, mon Dieu. Je suis redevenu l'homme au pouvoir. Il est redevenu tout petit. Hey! Cornelius, tu es génie. Un grand homme. Un grand monsieur. Alors, as-tu pris une décision en ce qui concerne Cornelius? Je n'ai pas d'autre option. Je vais devoir retirer l'argent et lui donner. Cette somme est énorme. Comment peux-tu lui donner 5 millions juste comme ça? As-tu une meilleure idée? Hein? As-tu une meilleure idée? Écoute, je veux pas que mon mariage se termine par une catastrophe. Je le sais. Je pense juste à l'argent. J'ai une suggestion. Pourquoi ne pas retirer 1 million en titre d'une naira pour lui remettre? Cet homme est un illettré, il ne comptera même pas. Il sera surexcité. Ah. Oui. On dirait que tu ne connais pas Cornelius. C'est villageois de grande renommée. Si tu veux, retire 50 millions de naira en courrier et donne-lui. Il va compter chaque courrier jusqu'à atteindre 50 millions. 5 millions? Je sais quoi faire. Il pense qu'il peut prendre mon argent et s'en tirer imprudemment. Il va quitter ma maison. Il va quitter ma maison d'une manière honteuse. Holy Ghost, mon cœur. Ah. Bonjour. Ah, grâce. Grâce, je ne m'attendais pas à te voir. Tu me fais juste une visite surprise. Tu sais que tu as l'habitude de venir seulement quand je te force à venir. Mais non, c'est du passé. Je pense que toi et moi nous sommes faits pour être ensemble pour toujours. Ah, c'est vraiment toi qui dis ça? Oui. Ah. Alors, comment tu as passé la nuit? Ma chère, oh, ma nuit était vraiment fantastique et aussi fabuleuse. Pour finir, fantabuleuse. Je peux te l'assurer. Sais-tu que dans mon rêve, là, dans mon sommeil, j'ai eu un autre rêve. Dans ce rêve, je t'ai vu en train de... Nous étions en train de... frémousser et passer du bon temps. Alors nous passons du temps ensemble dans ce rêve. Je te l'assure. Dépensons aussi beaucoup d'argent en achetant des Bugatti, des Rolls Royce, toutes ces choses. Bébé, parce que j'ai rêvé de ça et je prie que ça se réalise. Ah. Nous dépensions quel argent? Et l'argent de qui? Notre argent. Hein? Oui, je le savais. Pas étonnant. Toute cette tendresse, cette soudaine gentillesse et en fait cette petite surprise. Écoutez, lui, je suis toujours gentille et tendre envers toi. Je suis toujours... Grâce, tu es venu ici pour voler mon argent, mon propre argent, intentionnellement. Hey! Pourquoi tu parles ainsi? Pourquoi tu parles ainsi? Cornelius, tu me brises le cœur. Oh, tu me brises le cœur. Oh. Hey! La plus grosse blague de l'année. Moi, Cornelius, briser ton cœur, grâce. Grâce, as-tu un cœur? Oui, non. Avec tout ce que je vois, grâce, laisse-moi te dire. Ce que tu es en réalité, tu es une femme cruelle. Hein? Tu es une femme cruelle, une femme sans cœur. Non, attends, on va le prouver maintenant. Avec tout ce que je vois sur les yeux, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace pour ton cœur. Où va-t-on mettre ton cœur? Regarde toi-même, sauf si c'est placé dans ton dos.
Tu m'insultes. Attends, fais le sortir, non, si tu dis que tu as un cœur. Je m'en vais. Vous, les femmes avec de fortes poitrines, vous n'avez pas de cœur, vous êtes cruelles. Pouvez-vous y croire? Il est comme toi, oh mon Seigneur. Partout sur la terre, il n'y a personne comme toi. J'ai dit qu'il est comme toi, mon Seigneur. Ouais, partout sur la terre, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Aïe! Il n'y a personne. J'ai longtemps cherché, je n'ai vu personne. Oh mon Dieu, tu es le seul unique Dieu. J'ai dit que j'ai longtemps cherché, je n'ai trouvé personne. Oh, tu es le seul unique Dieu. Hey! Ah oui, oh mon Dieu, tu es le seul unique vrai Dieu. Hein? Si tu n'as plus peur de moi, au moins aie peur de Dieu. Hein? Je suis toujours ton patron. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu peux voir que j'étudie. Tu fais du bruit. Oh, tu es en train de lire. Est-ce que tu veux que je chante le blues, que je baisse la voix? J'ai longtemps cherché, oh, tu es le seul vrai Dieu. Oh, il n'y a personne comme toi sur la terre. Et quand je marche avec toi, je ne crains aucun mal. Désolé. Je suis emporté par cette chanson. J'ai longtemps cherché, je n'ai pas trouvé. Tu es le seul vrai Dieu, oh, le seul et l'unique. Eh? Il n'y a personne partout comme toi. Ah! Et quand je marche avec toi, je ne crains aucun mal. Oui. Je suis dans la joie, mon seul vrai Dieu. Cornelius, il n'y a personne comme toi sur la terre. S'il te plaît, ouvre le portail pour ta sœur. Vas-y, non? Ok. Hey! Je suis la sœurette. Un instant. Attends, je m'ouvre, attends. Attends un instant, j'ouvre. Bon après-midi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Oui. Tu as de bonnes nouvelles? Allez, s'il te plaît, dis-moi, tu sais que j'ai pas de bonnes nouvelles. Et au fait, s'il te plaît, dis-moi. Devine. Mais je sais pas. D'accord. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. J'ai eu un malaise et je me suis rendue à l'hôpital. Et le docteur a insisté pour que je fasse certains tests. Et tous les tests ont été faits. Et ils ont révélé que... Révélé quoi? Devine. Que tu ne vas pas bien. Je suis enceinte. Oui. De moi? Tu veux dire... Attends, dis-moi, nous sommes enceintes? Oui. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Tu es enceinte? Oui. De combien de mois? Il a dit 3 semaines. 3 semaines de grossesse? Oui. Je te fais sortir. Ça mérite d'être physique. Je sais. Mais bébé, je dois discuter de ça avec Grace. Depuis que cette fille est entrée dans nos vies, de bonnes choses ne font que nous arriver. Ouais, allons à l'intérieur. Ne te dérange pas, Cornelius. Ne te dérange pas, chérie, ça va. Non, ça va, c'est bon. Viens porter tes choses. Ne te dérange pas, chérie, c'est bon. T'en es sûr? Ok, d'accord. Ne te dérange pas, tu vois cette bonne nouvelle. Non, attends, que ton mari dise non à ce que je lui ai demandé de faire pour moi. En ce moment, je lui donnerai le remix de cette bonne nouvelle. Tu ne me connais pas. Imaginez-vous, il est content au point de faire des câlins et même l'embrasser. Espèce de comédien. Grace? Oui, j'arrive! Bienvenue. Comment était ta journée? Fatigante et ennuyante sans toi. Comment était ta journée? Elle était stressante, mais j'ai finalement retiré l'argent pour Cornelius. Vraiment? Merci beaucoup, merci infiniment bébé, merci. Ça va nous éviter les problèmes, surtout maintenant que ta femme est enceinte. Elle te l'a dit? Oui, elle me l'a dit. Et j'espère que tu es heureux. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? De toutes les façons, nous devons récupérer toutes les copies de cette vidéo avant de lui remettre cet argent. Tu plaisantes? Hein? Il pense que 5 millions de Nairas, c'est un jeu d'enfant. Il va voir de toutes les couleurs. Il pense qu'il peut prendre mon argent et s'en tirer impunément. Il sait même pas ce qui va lui arriver. Attends, tu vois, je vais tellement le malmener, le torturer. Je vais l'oppresser. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu sais ce que je peux faire, n'est-ce pas? Oui. Bien. Cornelius.
Ma chère, amène l'argent à l'intérieur. Okay. Il ne faut pas que ma femme vienne voir cet argent. D'accord. Demain, avant de lui remettre l'argent, nous allons avoir une longue discussion. Ok. À présent que ma femme est encore enceinte, peut-être que c'est un signe de Dieu pour que j'arrête cette bêtise avec cette fille. Parce que ça ne va que me causer des problèmes. Regarde, 5 millions de naira qui s'envoient juste comme ça. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Comment est-ce que je me débarrasse de cette fille pour que je puisse réparer mon mariage? Peut-être que je devrais la payer. Ouais, je vais lui donner de l'argent pour qu'elle quitte ma maison et qu'elle ne revienne plus jamais. Emily, Dieu a finalement exaucé mes prières. Dieu est en effet merveilleux. Je t'assure. Je suis si contente pour toi, ma chère. Alors, où es-tu à présent? Je suis chez moi. Je suis à la maison. Ma chère, je suis tellement heureuse. Je ne sais même plus quoi faire. Juste, je suis trop heureuse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je t'avais dit que Dieu allait te donner un autre enfant. Oui, c'est vrai. Ma chérie, s'il te plaît, remercie Dieu pour moi. Continue de le glorifier pour moi. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis si reconnaissante. C'est clair que nous devons faire couler du champagne. Une telle nouvelle devrait être fêtée. Ah ah. Quelle bonne nouvelle. Ah, je ne peux pas prendre d'alcool. Tout ce qui contient de l'alcool, je m'en éloigne. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas célébrer. Tu sais comment ça se passe, non? J'arrive tout de suite. Laisse-moi chercher quelque chose à mettre. 5 millions de naira. Comment puis-je permettre à cet homme de donner 5 millions de naira à Cornelius? Grâce, tu dois ouvrir les yeux. Maintenant que sa femme est enceinte, cet homme va commencer à te traiter comme une simple domestique. Je dois fuir avec cet argent, je dois partir. Après tout, Madame Emily m'a demandé d'être sage. Et je dois faire ça toute seule. Elle a raison. Je dois partir. Je dois dégager d'ici. Attends! Où est-ce que tu penses aller? Où est-ce que tu penses aller? Hein? Où est-ce que tu es en train d'aller avec ça? Hein? En quoi ça te concerne? Où penses-tu être en train d'aller avec ces sacs? Et avec cela? Ouvre le portail. Laisse-moi passer. T'ai-je bien entendu dans tes propos de tout à l'heure? Tu oses ouvrir ce qui te sert de bouche pour t'adresser à moi, Cornelius? Cornelius, j'ai payé pour ouvrir le portail. Alors ouvre ce portail. Écoute, hein, tu ferais mieux de m'écouter quand je suis en train de te parler. Sinon, je vais te... Tu ferais mieux d'écouter. Cornelius, ouvre le portail. Donc c'est de cette façon que ma gueule, voix fort, au confort, peut jouer cette partie dans mon propre cas. De quoi tu parles, Cornelius? Je peux sentir de la conspiration ici. Donc comme ça, tu veux ta... Respecte-toi, hein. Respecte-toi. Donc Michael, mon beau frère, veut tout faire pour que toi, tu sortes de cette maison. Et ainsi, toi et Mike me fermeraient la bouche. Bah, ça n'arrivera pas. Parce que au moment où je te parle, tu vois cette vidéo qui est dans mon téléphone. Va te poursuivre. Si tu veux, enfuis-toi au Kazakhstan. Va à Katangoli. Cette vidéo va te poursuivre. Et tu vas souffrir. Et Mike aussi. Laisse-moi te dire. Si tu veux, dis-le à ta sœur. À ta mère, je m'en fous éperdument. Je pars de cette maison maintenant. Ouvre-moi le portail. Cornelius. Cornelius. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Ouvre le portail là. C'est idiot parce que je ne crois pas sur les femmes. Est-ce que tu veux te faire là? Tu penses que vous pouvez me défier? Laisse ça. Vous pensez que vous pouvez me défier? Attends.
Bon frère, bienvenue. Bon frère, qui te supplie même de répondre, hein? Si tu veux, tu me réponds. Je ne veux pas, par l'intérieur. Ah ah, pourquoi est-ce que je vais te supplier? Je dois te supplier pour répondre à mes salutations? Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cornelius! Cornelius! Cornelius, mais c'est à toi que je m'adresse! Donc tu connais, donc tu sais parler? Moi je t'ai salué, bon frère, es-tu de retour? Et tu m'as ignoré! Où est Grace? Grace? Où est Grace, la fille de ménage? Oh! Donc maintenant tu reconnais que Grace est ta femme de ménage? Laisse-moi te dire, tu sais quel jour nous sommes? Aujourd'hui c'est la fin du mois. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Donc arrête de jouer à ces petits... Cornelius, où est Grace? Je lui ai donné l'argent. Et elle n'est pas à la maison, l'argent non plus. Un instant. Bon frère, à qui as-tu donné l'argent? Grace. Attends. Ça pouvait être ce que j'ai vu qu'elle avait et avec lequel elle est partie? Tu veux dire quoi, pas partir? J'ai vu Grace. Grace venait par là avec deux sacs. Arrivé à ce niveau, je l'ai arrêté. Où es-tu en train d'aller? Où vas-tu? Et j'ai même pensé que tu as planifié ça avec Grace. D'où je suis? Donc tu me dis qu'elle est partie avec tout cet argent? Où est-elle? Où est-ce qu'elle est partie? Elle venait par là et ensuite elle m'a bloqué par ici. Écoute, je lui ai donné l'argent de garder parce que je voulais pas que ma femme voie une telle somme d'argent à la maison. Je comptais te payer aujourd'hui. Ah! Mon frère, dis-moi que tu es en train de blaguer. Dis-moi que c'est juste une blague. Mon propre argent. Mon argent. Non, tu n'es pas sérieux. En fait, laisse que ma soeur... Ouvre le portail pour que j'aille la chercher. Où vas-tu commencer à la chercher maintenant? Bienvenue dans ma boutique, ma fille. Maman, merci. Comment vont les affaires? Bien, ma très chère. Les affaires vont bien pour le moment. Ah, ma fille, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Je devais te remercier pour tous les cadeaux que tu m'as faits. Dieu va continuer de te bénir. Maman, tu es sérieuse? Je suis plutôt celle qui se sent coupable de ne pas être venue te rendre visite depuis tout ce temps. Et toi, tu parles de cadeaux. Depuis là? Non, ça fait déjà longtemps. Maman, je suis désolée. Comment, ma fille? Les cadeaux que tu donnais à Grace de venir me donner. Hein? Je t'ai censé venir te remercier. En fait, je l'ai appelée. L'autre jour, elle m'a dit que tu as voyagé pour l'Amérique et que tu seras de retour le lundi. Je suis même surprise que tu sois aussi vite de retour, hein? L'Amérique? Oui, c'est ça. Je n'ai pas voyagé hors du pays. Je ne suis allée nulle part. Tu n'as pas voyagé pour l'Amérique? Pas du tout. Tu veux me dire que Grace m'a raconté des mensonges? Maman, je reviens juste de mon lieu de service. Je suis quittée de là-bas directement pour ici. Je n'ai jamais donné de cadeau à Grace. Je n'ai jamais donné de cadeau à Grace de venir te donner. Oh non. Grace? Mais j'ai toujours reçu d'énormes provisions par Grace chaque mois. Elle me disait que ceci venait de toi. Je lui ai dit maintes fois que je voulais même venir te remercier. Mais elle m'a fait comprendre que le gardien ne laisse pas entrer les étrangers. Hein? Maman, je suis vraiment choquée de toute cette histoire que tu me racontes. Je ne sais pas. Ma fille, je t'en supplie au nom de... Hey! Non, s'il maman, te plaît. Non. Ah, non. Ne fais pas ça. Ah, maman, non. Ah! Non, ne fais pas ça. Elle est comme ma petite sœur, ne t'inquiète pas. Quand je vais arriver à la maison, je vais lui parler et lui demander d'où est-ce qu'elle obtenait les provisions pour toi. Oui. S'il te plaît. C'est quoi cette histoire? Ma Grace. Maman, je pense que je vais partir maintenant. Tu veux déjà partir? Oui. Merci, ma fille. Merci vraiment. Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien dont tu devrais t'inquiéter. Encore merci, ma fille. Dieu d'accord. Te bénisse. Merci, ton mari de ma part. Je le ferai. Il ne faut pas t'en faire. Merci. Ce n'est pas grand-chose. Okay, je vais juste en parler avec okay. elle. D'accord, moi. Salut ton mari de ma part. Oui, encore. Je le ferai.
serait bienvenu. Merci. Serait-il y a quelque chose dont je voudrais te parler? Cornelius, je suis fatiguée. Serait-il vraiment important? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Serait-il vraiment important? Hein? Grace! Où est Grace? Est-elle de retour de ses cours? Son cours? D'ailleurs, il y a les cours ici à l'intérieur. Serait la grâce dont tu parles en ce moment n'est pas celle que tu penses qu'elle est. Je te dis la vérité, cette femme va te mettre dans les problèmes. Où est-elle? Grâce est enfuie de cette maison. C'est ce que j'essaie de te dire. La grâce que tu connais va te mettre dans des problèmes. Elle va te causer de gros désastres. Tu dis qu'elle est partie de cette maison, genre pour de bon? Elle a plié toutes ses affaires et s'est enfuie de cette maison. Ça, c'est le chapitre 1. Maintenant, laisse-moi prendre le chapitre 2. Ton mari, Michael Okonkwo. Hey! Celui-là, c'est un tribun. Hey! Tu vas le voir devant. Après, ramène le ballon derrière. Puis, se positionne au milieu et marque le but. Un but derrière ton dos. Écoute bien, ton mari, Michael, il couchait avec grâce dans ton dos. Es-tu malade? Comment oses-tu parler de mon mari ainsi? Tu l'as même appelé par son nom? Madame? Ha! Madame? Comment vas-tu, mon fils? Gardez vos salutations. Où est votre fille? Je ne sais vraiment pas, mais dites-moi, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Votre fille s'est enfuie avec mon argent. Oh mon Dieu! Grace a volé mon argent! Hey! Grace a volé votre argent? Oui, madame. Ah! Ce n'est pas une menace ou autre chose. Vous lui direz de me ramener mon argent aujourd'hui, sinon... Maman, je vais lui montrer une autre facette de moi. Elle est une criminelle! C'est une voleuse! Cornelius, va plier tes affaires et sors de chez moi. Je peux tolérer tout genre d'insultes venant de toi. Mais je ne peux pas tolérer que tu insultes l'homme qui a payé ma dot. Va-t'en! Mon fils, mais tu sais que je n'ai rien à voir avec tout ça. Je le sais, maman. C'est votre fille, Grace. Quand j'en aurai fini avec elle, vous voyez toutes ces choses-là. Tous ces trucs. Vous n'allez pas m'aimer. Je vais tout embarquer. Croyez-moi, si je ne prends pas mon argent. Ah, Grace, pourquoi? Pourquoi Grace? Ah, Grace m'a tué. Tu m'as fini. N'importe quoi. Regarde cette vidéo. Tu penses que cet homme ici... ce que j'ai ici, c'est une noix de coco. Viens voir cette vidéo. J'ai tout filmé ici. Tu penses que Cornelius est fou? Serait-ce, regarde. Regarde cette vidéo. Imagine. Mike. Regarde très bien. C'est Michael. C'est Michael. Un bonsoir. Il dribble. Il attaque. Puis il m'a. Quand je l'ai parlé, il m'a pas écouté. Cornelius, j'espère que tu n'as rien dit à ma femme. Et tu penses que moi, Cornelius, je vais te donner une réponse à cette question. Hein? Cornelius, quel business avons-nous en commun? Si tu sais ce qui est bien pour toi, j'espère que tu n'as rien dit à ma femme. Mon frère, tu es en train de me cracher au visage. S'il te plaît, ferme cette porte, je t'en prie. Laisse-moi te dire une chose. Si tu lui en as parlé,
Tu joues avec le feu. Tu racontes des bêtises. Qui s'en soucie? Laisse-moi te dire. Je t'ai donné une date limite. Donne-moi cette chose et je ferai ça pour toi. Tu n'as pas respecté. Vas-y, peu importe ce que tu vas trouver. C'est ta croix. Porte-la. 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 C'est ta croix. Oui, ta croix. J'ai été une épouse. Une épouse fidèle. Je t'ai aimée. Je t'ai respectée. Et je t'ai fait confiance. Comme on l'attend d'une épouse. Et je t'ai traitée comme on devrait traiter un mari. Voici ce que j'obtiens. Je pensais te connaître. Bébé, s'il te plaît. J'ai dit que je voulais démissionner de mon travail pour pouvoir passer plus de temps avec toi. Mais tu as dit non. Maintenant, je sais. La raison pour laquelle tu as refusé, c'est parce que tu voulais passer plus de temps avec une fille que j'ai moi-même emmenée dans cette maison. Non, chérie, j'essayais de gagner de l'argent, c'est tout. C'est ce que je mérite, Michael, mon cher époux. S'il te plaît, je le jure, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, je t'en prie. S'il te plaît. Je pensais que tu étais différent. Je croyais que tu étais un homme meilleur. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non ! Pas me toucher ! Mike, dégage. S'il te plaît, bébé, donne-moi une chance de t'expliquer. Volcan! D'accord, Volcan. D'accord. Dégage. Maman, que se passe-t-il? Range tes affaires, on s'en va. Tout de suite. Que je range mes affaires? Oui. On s'en va? Oui. Je vais tout expliquer après, maman. Range tes affaires, on s'en va. Que je range mes affaires? Oui, maman. Mais pour où? Je te le dirai en chemin. Ah, ah. Qui sont ceux-là? Grace, comment as-tu osé? Où penses-tu aller comme ça? Maman, elle t'a dit ce qu'elle a fait? Elle t'a dit ce qu'elle a fait. Calme-toi, ma fille. Je t'en prie. Ne me touchez pas. Si vous avez un problème, allez voir Madame Emily. C'est elle qui m'a demandé de coucher avec votre mari. Ne me touchez pas. Tu vois, c'est détruit mon foyer. C'est la vérité. C'est vrai. Tu as détruit mon foyer. Chérie. T'es fou. Arrêtez. T'es fou. Arrêtez cette fille. Toi. Arrêtez. 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 Non, chérie. Allez, partez. Écoutez, vous avez le droit de garder le silence.
tout ce que vous direz sera retenu contre vous au tribunal. Donc, gardez votre bouche bien fermée. Inspecteur, Arrêtez-la. Maman, et appelez mon argent. Et appelez mon argent. Qu'est-ce que vous, inspecteur? Oui, c'est ça, arrêtez-la. Grâce, maman. Ma fille. Oui, arrêtez-la, arrêtez-la. C'est ça. Madame, venez par ici. Laissez l'inspecteur faire son travail. Grâce. Avancez, avancez, avancez. Je suis avancez, avancez, avancez. Avancez, avancez, allez, allez, allez. Maman. Il n'y a pas de maman qui sienne. Maman. Vas-y, entre. La porte est ouverte. Émilie, comment as-tu pu? Chérie, tu es là? Et tu as le culot de m'appeler chérie. Tu es malade? Comment as-tu pu? Je ne comprends comment pas. Comment as-tu pu me trahir de la sorte? Hein? Émilie, je pensais que nous étions amis. Lovette, vas-tu me dire ce qui ne va pas? Je ne comprends pas, je dois me rendre quelque part. Oh, vraiment, où est-ce que tu vas? Es-tu en train d'aller voir la fille que tu as convaincue de coucher avec mon mari? Pour détruire mon foyer? Hmm? Donc, c'est pour ça que tu jacasses. Et tu n'essayes même pas de le nier. Nier? Mais pourquoi? Émilie. Qu'ai-je bien pu faire de mal? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Vraiment? Tu ne sais pas? Tu ne sais vraiment pas? Qu'est-ce que ça fait d'être trahi par sa meilleure amie? Tu n'as eu que ce que tu méritais. Et tu es là à faire semblant comme si rien n'était. De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que je parle? Mais tu l'as fait avec moi, arrête de prétendre. Moi? Oui, toi. Oh, tu ne te rappelles pas de quoi il s'agit? Je vais te rappeler. Léo, ce nom te dit quelque chose? Bienvenue, chérie. Tu es sérieuse? Tu n'es pas encore habillée? Non, pas encore. Vas-y alors. Je suis désolée, ma puce. Comment va ton époux? Il va bien. Va t'habiller. On n'a pas assez de temps. On doit se dépêcher. Parlons de ça. Mon homme est en route et vient me chercher pour m'amener dîner. Ton homme? Quel homme? Tu as un homme? À vrai dire, oui. Tu as rencontré quelqu'un? Oh! Qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Désolée, ma puce, j'attendais le bon moment et je crois que le bon moment est arrivé. Mais il est en route, il arrive. Je crois que tu dois l'attendre ici. Pour ici? Bien sûr, je dois le rencontrer. Il est là. C'est lui? Je vais ouvrir. Ah! Une minute. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas, bébé? Je vais bien, et toi? Bienvenue. Bien, maison. Et toi, ça va? Tu te rappelles, je t'ai parlé de ma meilleure amie. Oui, je m'en souviens. La voici, ma seule et unique amie Lovette. Oh, enchantée. Salut. Et lui, c'est mon Léo. Moi, c'est Lovette. Love, ravi de faire votre connaissance. Ravi de te rencontrer également. Le plaisir est pour moi. Je sais pas si je peux le dire, mais... Vous êtes une beauté à couper le souffle. Merci. Ok, ok, ok. Ça suffit. Toi, assieds-toi là. Ok. J'arrive. Je vais le dire, ok? D'accord, chérie.
Pourquoi est-ce que tu m'appelais? Qu'est-ce qu'il y a? Viens-tu juste de me parler de la sorte? Tu veux vraiment que je sois courtois? Bien, de la courtoisie t'en aura. Madame, pourquoi est-ce que vous appelez à mon numéro sans cesse? Pourquoi t'adresses-tu à moi de la sorte, Léo? Mais que se passe-t-il? Tu ne te soucies même pas de moi? Tu ne prends pas mes coups de fil, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Que veux-tu dire par rien? Tu veux que je te dise quelque chose, n'est-ce pas? Je suis fatigué de cette relation. Quoi? Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Rien. C'est juste que je ne t'aime pas assez pour passer le restant de mes jours avec toi. Léo, pourquoi me fais-tu cela? Rappelle-toi, on a fait des projets pour aller voir mes parents en décembre. Si je t'ai offensé, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as rien fait de mal. Écoute. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Je suis désolé si tu avais des projets pour cette relation. Vraiment, vraiment désolé. Je te conseillerais, s'il te plaît, de les oublier. Je suis fatigué. D'accord? Est-ce mon amie, Lovette? Elle est la raison pour laquelle je n'en sais rien. Réponds-moi! Ne me crie pas dessus, ok? Quelle différence ça fait si c'est à cause d'elle? Je ne suis pas intéressé par cette relation, ok? Tu ne me dois rien. Et je ne te dois rien. Donc arrête de m'embêter en appelant mon numéro. Au revoir. Léo. Léo. J'ai pleuré pendant des nuits. Pas parce que Léo m'avait quitté. Mais parce que ma meilleure amie en était la cause. Lovette. Lovette, tu m'as poignardé dans le dos et tu t'es comporté comme si rien ne s'était passé. J'ai patienté pendant des jours pour que tu viennes m'en parler, mais tu ne l'as jamais fait. Au contraire, tu t'es moqué et tu t'en es réjoui de mon malheur. Dis-moi, pourquoi je ne devrais pas me venger? Tu penses que moi, j'ai quelque chose à voir avec la rupture avec lui? Je ne pense pas. Je le sais, je vous ai vu de mes propres yeux. Donc arrête d'essayer de faire semblant. Je ne te trahirai jamais de la sorte. S'il te plaît. Jure-le-moi, Lovette, que tu n'as rien à voir avec ma rupture. Jure-le, esprit maléfique. Je n'ai rien à voir avec ta rupture avec Léo. Tu veux rester mariée pendant que moi je demeure seule, c'est ça? J'aurais aimé que cette stupide fille t'arrache ton mari avant que toute cette histoire ne soit dévoilée. Léo est venu vers moi. C'est quoi encore ton nom? Léonard, mais tu peux m'appeler... Qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire que il fallait que je te revoie. Tout va bien? Après toutes les mises en garde que je t'ai données, hein? Tu l'as fait la dernière fois et je l'ai ignoré. Est-ce que tu me suis? Bébé, je ne suis pas... Il n'y a pas de bébé qui tienne. Je suis la femme de quelqu'un. Et toi, tu es le fiancé de mon ami. Mais je ne l'aime pas vraiment et pourquoi tu ne le comprends pas? Quand je t'ai vu, mon amour pour elle a complètement disparu et ça a donné quelque chose de spécial. N'ose même pas me toucher. Es-tu malade? Est-ce que tu sais ce que mon mari te ferait s'il découvrait la bêtise que tu es en train de faire? Vraiment? Ton mari? Tu lui fais confiance? Allons, laisse-moi te rappeler qu'il reste un homme. Et il ne te sera jamais fidèle comme toi tu sauras lui être fidèle. Ne le comprends-tu pas, hein? Toi! Tu me dégoûtes. Tu es censé être fiancé à mon ami. Elle t'a donné son cœur. Et ça, c'est ce que tu en fais? Laisse ton ami en dehors de ça. Je t'aime vraiment et je ferai vraiment tout pour toi. Je prendrai soin de toi. Seigneur, dégage de là sur le champ avant que je ne commence à crier.
Calme-toi. Écoute-moi d'abord. Tu sais, je t'aime vraiment et je... Ne me touche pas! Je vais crier. Ok, bien. Je vais crier. Non, ça va. Tu es une honte. Dégage-la. C'est bon. Désolé. Dégage. Vraiment désolé. Désolé. Encore désolé. Désolé. Toi, désolé pour toi-même. Attends-moi là. Si je ne te renverse pas, appelle-moi salope. C'est bon, calme-toi. Il m'a poursuivi. Semaine après semaine. Et je l'ai menacé que j'allais le raconter à mon mari. Ensuite, il a arrêté. Je ne tromperai jamais mon mari. Je ne pourrai jamais, au grand jamais, je ne pourrai détruire sa relation. Mon ami, je ne te ferai jamais une telle chose. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ce qu'il faisait? Parce que ce n'était pas nécessaire. Je l'avais déjà affronté. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Venir l'exposer? Qu'est-ce que j'aurais gagné en faisant cela? Et quand tu m'as raconté que vous aviez rompu, j'étais heureuse. Parce que je savais qu'il n'y avait pas moyen pour que cet homme te rende heureuse. L'homme, tu aurais quand même pu me dire. N'essaye même pas de le prendre comme prétexte. T'es-tu souciée de venir m'en parler quand tu m'as vu avec ton homme? M'as-tu posé la question? Est-ce que tu m'as confrontée? Non! Au lieu de ça, tu es resté là et tu as masqué ton sourire avec de la haine et de l'amertume. Et tu as essayé de briser mon foyer, mon ami. Tu as essayé de briser mon mariage. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. J'aurais pu donner ma vie pour toi. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Non, mais je suis désolée. Ne me dis pas que tu es désolée. Je remercie Dieu d'avoir fait tomber ton masque. Je remercie Dieu de m'avoir montré qui tu es. Et je prie le ciel pour que tu trouves une amie qui restera à tes côtés comme moi. Je te déteste. Je regrette le jour où je t'ai rencontré. Et je prie que Dieu m'aide à te pardonner un jour. L'enfête. Ne m'appelle pas. Cornelius, quel genre d'être humain es-tu? Regarde comment tu as laissé passer cette bonne opportunité en or de filer entre les doigts. Aïe, tu es un idiot. Ok, maintenant, réponds-moi. Hey, c'est la police. Ok, Cornelius, réponds à cette dernière question. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu continuer de vivre ici comme un esclave en faisant semblant que tu es un gardien? Maintenant, tu n'es pas l'ami de ta sœur, encore moins l'ami de ton beau-frère. Tu es juste un ennemi dans leur maison. Cornelius, ne vas-tu pas filer d'ici? Ou tu veux que ces gens te fassent la peau vivant? Hein? Non mais... Je vais quitter cette maison. Parce que je ne vais pas rester ici et laisser ma sœur déverser cette colère qu'elle a nourrie depuis longtemps. Et même mon beau-frère, maintenant que j'ai tout perdu, c'est mieux pour moi de ne pas perdre ma vie. Je m'en vais au village. Oui, et chercher n'importe quel travail disponible. Vigilance. Vigilance avec toute l'expérience que j'acquise ici. Vigilance. Il est l'heure. Cornelius, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici.
Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me touche pas. N'ose même pas me toucher. Ne me touche Baby, pas. Baby, s'il te plaît, ne me quitte pas. Ne me dis je pas. Je t'en prie. Que je ne devrais oui, pas te Oui, je t'en prie. Donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas te quitter. Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle je ne devrais pas te quitter. Dieu va te punir pour tous les mensonges que tu m'as racontés. Mon Dieu va te juger. En fait, je t'en prie, s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du tort, mais je t'en prie, Baby. En fait, je t'en prie, pardonne-moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Baby, je t'en prie. Tu sais que je t'aime toujours. Tu ne m'aimes pas, non. Je t'aime comme ma non, femme. Non, ce n'est pas le cas. Je t'aime comme la future mère de mon enfant, je te jure. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles que je suis ta femme? Hein? Oui. Tu sais, tous tes mensonges incessants, toutes tes déceptions, mon Dieu va te juger. Mon Dieu va te juger, Mike. Le fait, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que c'est la colère qui te fait réagir comme ça. S'il te plaît. Je ne m'amuse pas avec toi. S'il te plaît. Ce mariage n'a plus de valeur. S'il te plaît, ce mariage a de la valeur pour moi, je te jure. Pas de valeur pour S'il te plaît, si je ne valorisais pas notre mariage, pourquoi j'allais vouloir donner 5 millions de naira à ton cousin? Je t'en prie. Je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne laisse pas nos ennemis triompher sur nous. Je t'en prie. Ennemis? Je t'en prie. Michael. S'il te plaît. Le seul ennemi que je vois ici, c'est toi. Eh bien, je t'en prie. Si tu me laisses, mon monde va s'écrouler. Je t'en prie, reste. Je t'en prie, je ne vais plus jamais te tromper. Je n'ai jamais pensé que tu pourrais d'abord me tromper. Et ça, c'est vrai. Et j'ai réalisé que si je ne l'avais pas découvert, tu n'aurais probablement pas changé. Je suis désolé. Non. C'était le diable. Être désolé ne suffit pas. J'ai pris ma décision. Mike, si tu le souhaites, pleure jusqu'à demain. Parce que si je ne t'avais pas attrapé, tu ne serais pas genou en ce moment. Chérie, s'il te plaît, ne me quitte pas. Si tu me quittes, mon monde va s'effondrer. Bébé, je t'en prie. N'essaye pas. Lovette. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, reste. S'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie. Je dois me poser la question de savoir si je veux toujours de ce mariage. J'ai besoin de temps pour me décider. D'accord? Mais pour l'instant, je ne peux pas rester ici. Je suis navrée.